Alors bonsoir, bienvenue à la séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Quelques remarques d'ouverture ce soir, en fait 5 sujets que j'aimerais aborder avec vous. Premièrement, lors du dernier conseil, on a porté à notre attention l'absence d'informations conformément à la loi sur la publication de certains contrats publics de 25 000 $ qui devaient être diffusés sur le site Internet de la ville. Alors, comme maire, en fonction de mes pouvoirs d'enquête et de supervision, des vérifications ont été faites afin de valider l'information, puis je vous communique les résultats de cette vérification, puisque ça semblait d'intérêt public. Donc, les faits, on a respecté les dispositions de la loi conformément à l'article 477.6 de la loi sur les cités et villes. Lorsque cette affirmation a été soulevée en séance publique, tout était conforme à la loi, et ce, depuis le 17 janvier 2023. En optimisant ces processus, la Ville a effectivement noté en août dernier un retard dans la publication de certains contrats. Dès le mois suivant, des corrections ont été apportées, et ce, jusqu'au 17 janvier dernier. Délai de correction expliqué par l'exercice du recensement des contrats, des départs à la retraite d'employés, la restructuration au sein du service et la formation du nouveau personnel de la Ville et l'adoption de nouveaux règlements modifiant les pratiques, et ce, conformément à la loi. Maintenant, vérification effectuée de toutes parts auprès des directions des services et du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, c'est avec plaisir que le Conseil confirme que tout est à jour, légal et conforme à la loi. Maintenant, deuxième nouvelle, les membres du Conseil souhaitent exprimer ce soir leur solidarité aux citoyens de la rue du Golfe, dont la résidence a malheureusement été incendiée. On souhaite transmettre nos remerciements à la régie des services, la régie intermunicipale des services incendies de la vallée du Richelieu et de leurs collègues pompiers de Sainte-Julie, Chambly et Sainte-Madeleine pour leur travail. À noter que la ville de Mont-Saint-Hilaire verse un montant annuellement à la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés dans des situations comme celle-ci. Et l'aide de la Croix-Rouge a été demandée lors de ce sinistre. Donc, courage et la meilleure des chances pour les sinistrés. On est avec vous. Troisièmement, vous le savez, le 12 avril prochain, il va y avoir un moment public au manoir Rouville. Donc, c'est de 18h à 21h. J'ai le plaisir de vous annoncer que les inscriptions en ligne sont complètes, mais vous pouvez toujours nous communiquer vos considérations et consulter le site Internet dédié sur le site Internet de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, vous allez voir la section manoir. Donc, on a bien hâte de prendre connaissance des commentaires qui seront partagés lors de cette soirée. Quatrièmement, c'est Jour de la Terre en avril, le 22 avril prochain. Donc, les valeurs environnementales nourrissent les orientations du Conseil, puis plusieurs actions ont été posées en ce sens, notamment la collaboration avec la CMM pour la protection de plus de 1000 hectares avec un règlement de contrôle intérimaire, la protection en perpétuité de boisés et de milieux humides dans différents secteurs de la ville, la protection de notre biodiversité, entre autres dans les zones de nidification du martinet ramoneur et de reproduction du chevalier cuivré, plantation de plus de 3500 arbres, restauration des berges du Richelieu. Saviez-vous même que les Hilaire-Montais sont ceux qui produisent le moins de déchets éliminés ou plutôt envoyés au site d'enfouissement de toute la MRC de la vallée du Richelieu? Donc, félicitations à tous ceux qui font une gestion rigoureuse de leurs matières résiduelles. Donc, ça va dans l'esprit, en fait, de cette célébration du Jour de la Terre. On confirme des actions à venir, entre autres ce soir pour la qualité de l'eau. Et le Conseil prend un engagement notamment pour réduire le nombre de surverses qui sont envoyées malheureusement en temps de pluie vers la rivière Richelieu. Et on va annoncer prochainement des investissements importants pour le régulateur Larocq, notamment pour encore réduire ces surverses-là. Ce soir, toutefois, on va prendre 2 engagements pour 2 servitudes de conservation, ce qui va permettre de protéger à perpétuité 2 secteurs de la ville. Et on prend acte du rapport du GIEC sur les changements climatiques, rapport qui teinte définitivement nos orientations au Conseil. Dernière nouvelle, je vous rappelle que la semaine de l'action bénévole se tiendra du 16 au 22 avril, thématique « Bénévolons à l'unisson ». Donc, on souhaite, par cette thématique-là, rappeler l'importance du bénévolat pour la résilience et le dynamisme de notre communauté. Donc, on est heureux de faire la promotion des valeurs d'entraide, de collaboration, de solidarité qui est chère à notre milieu. Puis merci à tous nos citoyens et citoyennes qui s'impliquent et donnent de leur temps si généreusement. Alors, sans plus tarder, si vous le voulez bien, collègues du Conseil, commençons cette séance.
Alors, M. Meyer, auriez-vous l'obligeance d'ouvrir la séance? Oui, donc je propose que l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 avril 2023 du Conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est approuvé par ce Conseil. Merci beaucoup, Mme Thibault. Alors, je vais maintenant prendre les questions de l'assistance en rappelant que la première séance de questions porte sur des items qui se trouvent à l'ordre du jour. Donc, si vous aviez l'obligeance de vous nommer et de nous indiquer votre question et de la mettre en évidence avec un item de l'ordre du jour, je vous en serais reconnaissant. Monique Comtois. Non. Monsieur? Pierre Bergeron. Madame Carole Blouin. Merci. Pierre Bergeron. Bonsoir. Je viens vous parler d'un de mes sujets favoris. Comment ça marche, la patente, là? Bon, je pense que je l'ai eu. Le 575 Belval. On en a déjà parlé, ça m'a valu une lettre d'amour de votre part. Les articles que je veux parler, c'est l'article 26, l'item 26 et 29. C'est un projet, on m'a expliqué, qui dure depuis quelques années, et même là-dedans, on spécifie que les premières réunions sur ce projet-là ont eu lieu le 14 décembre 2021, puis il y en a eu en 22 février 2022, et ça s'est poursuivi jusqu'à maintenant, je crois. Dans ce projet-là, ce qui m'agace personnellement, c'est que le terrain de MSH Pharma était zoné commercial. La ville a décidé que c'est plus commercial, ça va être aussi de l'habitation. Ça va. Mais quand on regarde les terrains à côté, ils ont été zonés 3 étages maximum. Pourquoi que là, ça prend des 4 étages? Au niveau de la densité, 3 étages ou 4 étages, on est capable de rentrer 20 logements sans problème. Je ne comprends pas l'entêtement d'avoir du 4 étages. Et bien pour comprendre tout ça, je vais vous expliquer mon raisonnement. Le terrain de MSH, zone commerciale, comme j'ai dit tantôt, s'étend de la rue à l'ouest, la rue Belval, et à l'est, Petro-Canada, Couchetard. Les immeubles en face du 515 Belval, c'est des immeubles de 6 logements, 2 étages, mais c'est zoné 3 étages, mais c'est du 2. Le même côté que le 515, c'est zoné trifamilial, maximum 3 étages. Ce qui m'inquiète, en changeant la réglementation, c'est que tout le terrain qui reste maintenant à MSH Pharma, et ce qui en reste, il y a une possibilité de, je dirais à l'œil, là, 4 fois ce qu'on développe maintenant du côté du garage Petro-Canada. Mais là, vu qu'on a changé de zonage pour mettre sur 4 étages, là-bas, ça va être du 4 étages minimum, c'est sûr. Mais si on avait annexé le terrain développé avec la zone en face sur la rue de Belval, il y aurait eu du 3 étages. Et on n'aurait pas été s'attacher pour le futur développement qu'il peut avoir sur les terrains qui restent disponibles sur le vaste terrain d'un MSH Pharma. On n'était pas obligé de changer maintenant, dire toute la zone maintenant, c'est habitable, 4 étages. C'est ce qui est. Pourquoi on fait ça? Monsieur Imbé? Oui. On a déjà répondu à cette question-là. On en a parlé plusieurs fois. Oui, oui. Un, c'est un projet avec des stationnements souterrains. Il demande quand même une certaine densité. Alors, c'est un nouveau projet. On fait, c'est pas du copier-coller fait sur la rue Belval qui a été fait dans les. Je ne connais pas la date de construction des immeubles qui sont là, mais ça date quand même d'au moins 25 ans, si je ne me trompe pas, sur Belval.
Alors, c'est un nouveau projet qui est intégré avec le stationnement souterrain. Les marges latérales prévoient une distance d'entre 24 et 32 mètres entre les bâtiments existants et ceux qui vont être construits. Alors, moi, je ne pense pas que l'impact, il faut ajouter à cela aussi que le terrain va être aménagé à terme. Ils vont planter, ils coupent quelques arbres pour Belleval, pour la construction. Non, on parle de la hauteur des bâtiments, on parle pas des arbres. Oui, mais moi, je parle du projet au complet. Alors, dans l'ensemble, les immeubles sur Belleval, c'est deux étages et demi. Des deux étages. C'est des deux ou des trois. C'est des deux étages parce que l'étage, c'est le semi-sous-sol. Il est enterré dans le sol. Le gars a sur sa galerie en bas. Mais là, il a le nez égal au gazon. C'est appelé un corps de sous-sol et demi-sous-sol. Pour tout le monde, c'est demi-sous-sol. On ne commencera pas à mesurer. Je pense que s'il y avait deux, trois pieds en dessous du terrain. Ce qui était considéré par le CCU, par le conseil, c'est la distance entre le projet actuel et les immeubles existants. Alors, c'est sûr qu'il y avait eu 10 mètres entre les deux édifices. La hauteur des étages aurait été prise en considération par rapport aux nuisances que ça pouvait créer aux voisins de la rue Belleval. Dans ce cas-ci, on parle de 25 mètres pour le voisin en diagonale sur Hector Cremazy, puis de 24 mètres. 30 mètres sur Hector Cremazy, c'est 30 mètres. Alors, moi, je pense qu'en termes de nuisances, vous l'avez dit tantôt, ce projet-là est revenu souvent au CCU, il a été retourné, il y a eu plusieurs. Je ne me souviens pas du nom. Oui, mais pas, c'est pas parce qu'Edouard Bataille nous parle longtemps qu'on lui donne ce qu'il veut. L'affaire que, monsieur, quand vous me dites, parce qu'il y a un stationnement intérieur, ça prend quatre étages. Non, on dit pas trois étages, c'est un stationnement intérieur. C'est quoi le problème? Je vous remercie, monsieur Bergeron, le plan d'urbanisme prévoyait, dans le fond, une densification de part et d'autre du boulevard Laurier. On considère que c'est mieux de densifier là, d'accord, qu'ailleurs. Vraisemblablement, je crois qu'il faut... C'est la même densité, trois étages ou deux étages. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a un terrain qui est là, et puis on veut mettre 20 logements dessus. Si on met 20 logements sur 3 étages ou 20 logements sur 4 étages, c'est 20 logements pareils, ça fait la même densité. Moi, je voulais juste ajouter que c'est la modulation aussi qui motive ça. Là, il y a une grosse industrie qui a une équivalence de 4 étages au moins à côté. Oui, donc, raison, c'est quand même pas choquant. Puis ça va avec le plan d'urbanisme, comme le dit M. Gartin. Alors, non, je pense qu'on est rendu là. C'est qu'est-ce qui justifie ça? Il n'y a rien. Mais un autre raisonnement, là. Je vous remercie, M. Bergeron. Le temps est déjà écoulé. Puis, on en a fréquemment parlé. Vous reviendrez à la fin. Je vous remercie. Pas la fin, c'est bien, là. Prochaine question. Carole Blouin. Bonsoir, Mme Blouin. Je suis assez grande. Voilà. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Mon point concerne les points à l'ordre du jour, les points 9 à 15 inclusivement, concernant les nominations. Oui. Puis j'aimerais savoir quelle est la démarche que vous mettez en place pour arriver à des nominations ce soir. Alors, très certainement. En fait, on a fait un appel de candidature. Ensuite, les candidatures ont été analysées par les membres du conseil et des membres de l'administration. Les candidatures ont été, ceux qu'on a invités lors d'entrevues, c'est des gens qui semblaient avoir des compétences qui étaient en lien avec les questions que le conseil a confiées aux différents comités. Puis, on a retenu les candidatures en fonction de leurs compétences, leur ouverture d'esprit, puis la contribution qu'ils voulaient apporter aux divers comités. Donc, c'est à partir de candidatures, il y a une sélection qui est faite. Oui. Merci. Je vous remercie. Prochaine question, s'il vous plaît. Monique Comtois. Bonsoir, Madame Comtois. Bonsoir tout le monde. Je vais intervenir pour une chose très concrète, c'est que dans le règlement 1240-3, on mentionne l'article 15 du présent règlement. Excusez-moi, auriez-vous l'obligeance de me dire à quel item de l'ordre du jour est associée votre question? Oui, c'est le dernier, c'est 36. Oui, merci. Donc, quand on lit le règlement à l'article 23, on indique au
un, deux, trois, quatrième ligne, mm-hmm. il y a une phrase qui dit « Ces avis doivent indiquer le jour, l'heure, l'endroit et l'objet de la séance du comité où il statuera sur la démolition de l'immeuble et reproduire le libellé du premier alinéa de l'article 15 du présent règlement. » Et l'article 15 n'est pas dans la copie que j'ai ici. Et j'ai vérifié le document que vous avez mis sur la table, puis l'article 15 n'est pas là. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Et je me demande si le règlement peut être adopté ce soir, parce qu'il ne contient pas toutes les informations. Donc, d'accord. Je vais... Monsieur Saint-Onge, est-ce que vous avez un... Oui, l'article 15 est disponible sur le site Internet de la Ville. C'est le règlement 1240, le règlement original. Donc, on ne remet pas toujours, lorsqu'on modifie un règlement, les règlements originaux. Imaginez-vous avec l'urbaniste, quand on modifie, je pense qu'on est rendu dans les modifications, des fois 30, 35 au bout d'une vie d'un règlement. Là. Donc, oui. On ne met pas en ligne, mais il est disponible là, le 1240 est là, et le règlement, l'article est déjà en vigueur. Donc, l'information est disponible, Monsieur Gartin. Alors, ça ne change rien, l'adoption. Le règlement est conforme. Merci beaucoup. Je suis désolée. Mais Mme Comtois... Excusez-moi, ça parle du présent règlement. C'est écrit dans ce texte que ça concerne le présent règlement. Le règlement, c'est le 1240. Non, Mme Comtois, juste clarifier. Quand on dit demain, c'est que cet article-là va être copié dans le règlement, transcrit dans le règlement original. Donc, à ce moment-là, c'est l'article 15. Ce n'est pas un règlement qui est indépendant. Le tiret vient relier au règlement original. Et c'est fait que lorsqu'on lit l'article... On se réfère à l'article 15 du règlement original, le règlement en vigueur, parce que ce document-là va être collé, fusionné, de façon de codification administrative. Donc, c'est une modification qui est conforme aux lois et aux règlements en vigueur, M. Gartin. Donc, mais Madame... alors, je suis ici pour m'exprimer sur le règlement, puis je n'ai pas, l'article 15 dans le papier qui est fourni pour parler non, comme, de ça. Non, comme M. Saint-Onge, je vous ai expliqué, c'est que certains règlements sont très volumineux, très longs. Vous pouvez accéder au règlement en ligne ou vous pouvez, dans le fond, consulter le greffe à cet égard-là. Je veux juste attirer à votre attention, Mme Comtois, que ce règlement-là, en fait, on y a porté une attention toute particulière et on s'est permis d'aller plus loin que l'exigeait le règlement, notamment, comme le dit ici le libellé, notamment pour porter une attention particulière sur les logements locatifs de façon à éviter est-ce que les logements locatifs soient détruits parce qu'on trouve qu'on en a trop peu à Mont-Saint-Hilaire. Maintenant, je suis désolé que vous ne partagiez pas notre avis, mais c'est comme ça qu'on va procéder pour ce soir. Je vous remercie. Excusez-moi, je n'ai même pas eu le temps de parler. Non, alors, désolée. Est-ce que vous avez une question de relance sur un autre item à l'ordre du jour ce soir, Mme Comtois? Oui, il y a ce paragraphe à la page 5 du même règlement qui dit « Sauf dans le cas d'une demande visant un immeuble patrimonial, le comité peut, s'il estime opportun, tenir une audition publique pour entendre tout opposant au projet de démolition. » De quel type de bâtiment on parle? On parle de tous les bâtiments en dehors de ce qui est défini comme l'immeuble patrimonial. Est-ce que c'est bien ça? Non, ce sont les immeubles patrimoniaux. Et comme je vous dis, le libellé de ce règlement-là, dans le fond, c'est dans le cadre d'un exercice de concordance avec la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel. Donc, il faut se référer, en fait, à toutes les dispositions qui sont prévues dans la loi sur le patrimoine pour, dans le fond, définir... quel type de patrimoine et considérer ces éléments-là. Donc, je pense qu'on ne s'est pas entendu ici parce que je fais la lecture du document et ça ne dit pas, ça dit sauf dans le cas d'une demande visant un immeuble patrimonial. Donc, Mme Comtois, pour laquelle une audition publique est obligatoire. Le comité peut, s'il l'estime opportun, tenir une audition publique pour entendre tout opposant au projet de démolition. Alors, ce que je comprends dans cette phrase-là, c'est qu'un immeuble patrimonial doit avoir une audition publique, mais les autres semblent être... exemptés. Non, semblent être jugés aptes à une audition publique si le comité l'estime opportun. C'est ça que ça dit, ces deux phrases-là. Puis, j'ai une sous-question. Il n'y a aucune mention qui est le comité dans ce règlement-là.
Alors, comment on peut adopter un règlement qui parle d'un comité qui ne définit même pas c'est quoi le comité? Si je ne m'abuse, le comité a été mis à jour lors de la dernière séance. Ce sont les membres du conseil, plusieurs membres du conseil qui sont assiégés sur ce comité de démolition-là, conformément à la loi. La composition est à quelque part prescrite presque par la loi. On a peu de latitude à cet égard-là. Sinon, nous, on a décidé de changer le nom pour rappeler l'intention du conseil qui était de préserver le patrimoine et non de favoriser la démolition. Donc, si vous regardez dans les comptes rendus de la ville, vous allez voir qu'on a un comité sur la préservation du patrimoine parce que c'est l'intention qu'on a. C'est d'utiliser les dispositions de cette loi-là pour préserver notre patrimoine et non pour favoriser sa démolition. D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir sur le paragraphe que je vous ai lu où on mentionne qu'il y a le comité pourrait juger opportun de faire une audition publique, une audition publique. Alors, est-ce que c'est l'intention? C'est ça le bout de ma question. C'est est-ce que le comité, le conseil, est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? Est-ce que le conseil a l'intention de regarder autres bâtiments que ceux qui sont dans la définition immeuble patrimonial pour entendre, pour créer une audition publique afin d'entendre les citoyens? En fait, votre question est tellement hypothétique qu'à ce moment donné-ci, je vais m'abstenir d'y répondre. Je vais revenir sur ce que je vous ai dit. L'intention du conseil est toujours de favoriser la préservation de notre patrimoine. À ce moment donné-ci, pour une question hypothétique, je vous réponds une réponse générale. Donc, Mme Comtois, à ce moment donné-ci, considérant qu'on vous a offert des éléments de réponse par rapport à l'adoption de ce règlement-là, je vais vous remercier, puis je vais prendre la prochaine question. OK. J'entends que vous allez juger si vous allez vouloir. Vous pouvez le faire dans le règlement, mais vous allez retenir en fonction l'opportunité des cas, de choisir si vous allez le faire ou pas. Merci, oui. Oui. Est-ce que je peux poser un commentaire sur la dérogation mineure, s'il vous plaît? Vous aurez l'opportunité, puisque dans le processus d'adoption de la dérogation mineure, on peut le faire. Lorsqu'on sera rendu à ce système-là, vous pourrez vous exprimer. Oui, Mme Comtois. Non, mais je m'excuse, mais M. Saint-Onge, mais vous avez déjà eu votre question et votre question de relance. Et regardez, on vous a offert 4 minutes de plus. Mme Comtois, je vais vous inviter à aller vous rasseoir. On joue à cette espèce de dialogue. Donc, vous confirmez que je vais pouvoir parler à la dérogation mineure? Comme le veut notre règlement sur les dérogations mineures. Merci beaucoup. Parce que j'ai vécu une autre expérience le printemps dernier avec les dérogations. Prochaine question, s'il vous plaît. Donc, si vous le voulez bien, on va donc procéder au prochain item de notre ordre du jour. Alors, on serait rendu à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023 du conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Monsieur Leboeuf. Alors, je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mars 2023 du conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire soit et est approuvé par ce conseil. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Oui. Alors, allons-y maintenant pour les rapports sur les périodes. Rapport sur les dépenses autorisées. Et M. Meilleur, je vais vous laisser le soin de nommer tous les bordereaux des comptes. Oui, donc, c'est le rapport sur les dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 1311 et les bordereaux de comptes 2304A à 2304D. Donc, je propose que les rapports de dépenses autorisés en vertu du règlement 1311 au cours de la période du 1er au 28 mars 2023, signés en date du 28 mars par Mme Sylvie Lapam, directrice du service des finances et trésorières, et les bordereaux de comptes à payer au numéro 2304-A au montant de 4 172 364,10, -B au montant de 3 026,47, -C au montant de 697,916,45 et -D au montant de 1,445,545,14 soit et sont approuvés par ce conseil tel qu'il apparaît au certificat portant le numéro 2304 signé par Mme Lapalm en date du 30. J'appuie. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Merci beaucoup. Rapport sur les ressources humaines. Monsieur Morin. Oui. Donc, je propose que le rapport des ressources humaines numéro 2023-04 préparé par Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines, en date du 31 mars 2023, pour la période du 1er mars au 31 mars 2023, soit et est approuvée par ce conseil.
Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci bien. Allons-y maintenant du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniers. Monsieur Meilleur. Oui, donc, conformément aux dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité, une déclaration des intérêts pécuniaires modifiée d'un membre du Conseil a été déposée par la greffière. Le Conseil prend acte. Merci bien. Item 7, création d'une enveloppe budgétaire pour l'achat d'équipements divers pour le nouveau centre aquatique. Monsieur Rainville. Alors, je propose que ce Conseil approuve la création d'une enveloppe budgétaire à même le fonds de roulement, poste budgétaire 55-911-00-001, pour l'achat d'équipements divers pour le nouveau centre aquatique au montant de 59 310 $ et qu'il y a des crédits disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée conformément au règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. Que la somme empruntée au fonds de roulement soit remboursable sur une période de 7 ans. Que les dépenses reliées à cette enveloppe budgétaire seront autorisées au fur et à mesure qu'elles seront effectuées et en fonction des crédits disponibles. J'appuie. Merci bien. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Alors, allons-y cette fois-ci pour l'item 8, embauche au poste de chef de service au service de l'ingénierie de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, Mme Thibault. Oui, alors il y a eu une création d'un poste au niveau de l'ingénierie et puis un concours s'est tenu et également un comité de sélection qui a fait son choix. Donc, je propose que ce conseil embauche Mme Jennifer Wen au poste de chef de service au service d'ingénierie, suivant la politique de travail et salariale des cadres de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, classe 4, échelon 6, et ce, le ou vers le 4 avril 2023. Que cette embauche soit faite selon les conditions indiquées au rapport de Mme Annie Dionne, directrice du service des ressources humaines, en date du 23 mars 2023, qu'il y ait des crédits disponibles tel qu'en fait foi le certificat de la trésorière en date du 28 mars 2023. J'appuie. Merci beaucoup. Êtes-vous tous d'accord, membre du Conseil? Oui. Alors, allons-y cette fois-ci d'une nomination au poste de directeur au service aux citoyens et aux communications. Madame Georget. Considérant la vacance d'un poste de directeur au service aux citoyens et communications de la Ville, considérant que Mme Geneviève Desautels, chef de service au sein du service, a démontré qu'elle possède les compétences requises pour occuper ce poste, je propose que ce conseil nomme Mme Geneviève Desautels à titre de directrice au service aux citoyens et communications de la Ville de Saint-Hilaire, suivant la politique de travail et salariale des cadres de la Ville, et ce, à compter du 3 avril 2023. Qu'il y a les crédits disponibles, tels qu'en fait foi le certificat de la trésorière en date du 27 mars 2023. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Merci bien. Alors, allons-y maintenant pour la nomination de membres du Conseil au sein du Conseil d'administration d'Habitat Vermeil. Monsieur Leboeuf. Alors, considérant qu'il y a lieu pour ce Conseil de nommer des membres au sein du Conseil d'administration de l'organisme sans but lucratif Habitat Vermeil, je propose que ce Conseil nomme au sein du Conseil d'administration de l'organisme Habitat Vermeil, organisme sans but lucratif gestionnaire de logement social, les personnes suivantes. Monsieur le maire Marc-André Guertin, Madame la conseillère Mélodie Georget et Monsieur le conseiller David Morin. J'appuie. Tous d'accord, membre du Conseil? Oui. Oui. Merci. Allons-y maintenant pour la nomination d'un membre et le renouvellement de mandat au sein du comité consultatif sur les saines habitudes de vie. Je demanderai à Madame Georget de nous aider pour cette nomination. Considérant que le mandat de M. Danny Croteau à titre de membre citoyen au sein du Comité sur la santé et saines habitudes de la vie de la Ville est échu depuis le 1er février 2023, considérant que M. Croteau a signifié son intérêt à l'effet de poursuivre son mandat au sein du Comité, considérant la vacance d'un poste à titre de membre citoyen au sein du Comité sur la santé et saines habitudes de vie, et considérant que Mme Isabelle Claveau a manifesté son intérêt afin de siéger au Comité, donc, je propose que ce conseil renouvelle le mandat de M. Danny Croteau à titre de membre citoyen au sein du comité et aussi que l'on nomme Mme Isabelle Claveau à titre de membre citoyen au sein du comité, et ce, pour la période du 4 avril 2023 au 3 avril 2025. Qui veut bien appuyer? J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Oui. Alors, allons-y maintenant pour la nomination d'un membre au sein du comité directeur de la Ville équitable de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, M. Morin. Oui, donc, considérant la vacance d'un poste à titre de membre citoyen au sein du comité directeur de la Ville équitable, considérant que Mme Chloé Marion a manifesté son intérêt afin de siéger au sein de ce comité,
Considérant les dispositions du règlement numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour lesquels le conseil municipal a le pouvoir de procéder à la nomination d'un membre, décider du renouvellement de mandat ou de remplacer un membre faisant partie des comités de la ville, je propose que ce conseil nomme Mme Chloé Marion à titre de membre citoyen au sein du comité directeur de la ville équitable, et ce, pour la période du 4 avril 2023 au 3 avril 2024. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Alors, cette fois-ci, allons-y pour la nomination d'un membre au sein du comité du patrimoine et toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire, M. Meilleur. Ouais, bien, comme on répète les considérants depuis le début, je vais les sauter. On avait un poste vacant, on a eu M. Roy a manifesté son intérêt, donc je propose que ce conseil nomme M. André Roy à titre de membre citoyen au sein du comité du patrimoine et de toponymie de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce pour la période du 4 avril 2023 au 3 avril 2024. J'appuie. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. Merci bien. Alors, cette fois-ci, pour le comité consultatif en environnement, item 14, M. Morin. Oui, donc, je propose que ce conseil nomme Mme Chantal Paquin et M. Antoine Piette à titre de membres citoyens au sein du comité consultatif de l'environnement et du développement durable de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et ce, pour la période du 4 avril 2023 au 3 avril 2024. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du conseil? Merci bien. Nomination de membres et renouvellement de mandat au sein du comité consultatif d'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Oui, alors, en fait, succinctement, il y a Mme Lynne Perrault, dont le mandat arrive à échéance le 3 mai, qui a manifesté l'intérêt de poursuivre son travail au sein du CCU. Et également, on avait deux postes à combler. Et il y a Mme Lynne Chabot. Et Mme Karine Perron qui ont manifesté leur intérêt et leur enthousiasme afin de siéger au sein du comité. Donc, selon les dispositions du règlement numéro 1194 établissant les règles de régie interne des comités du conseil de la ville de Mont-Saint-Hilaire, pour lesquels le conseil municipal a le pouvoir de procéder à la nomination d'un membre, décider et du renouvellement du mandat, ou de remplacer un membre faisant partie du comité, je propose que ce conseil renouvelle le mandat de Mme Lynne Perrault à titre de membre citoyen du CCU de la ville de Mont-Saint-Hilaire, et ça pour une période du 4 mai 2023 au 3 mai 2025, et que ce conseil nomme Mme Lynne Chabot et Karine Perron à titre de membres citoyens au sein de ce comité, et ça pour une période, la période du 4 avril 2023 au 3 avril 2024. Deux choses, M. le maire, si vous permettez. Il y a un principe d'alternance pour éviter que tous les membres du CCU se retrouvent en élection en même temps, donc on alterne un an, deux ans. Puis je me permettrais d'ajouter que le comité est complet, et il y a des représentants d'à peu près tous les secteurs de la ville. Donc, ça donne une certaine homogénéité au sein du conseil puis un regard sur tous les secteurs. Je vous remercie. Voilà. Et moi, je vais appuyer. Merci bien. Tous d'accord, membres du conseil? Merci oui. Bien. Proclamation de la semaine de l'action bénévole. Madame Georget. Oui, donc à l'invitation du Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu, on est heureux de faire la proclamation de la semaine de l'action bénévole, considérant qu'un grand nombre de bénévoles œuvrent au sein de notre communauté dans différents organismes et dans plusieurs sphères d'activité, et que leur apport constitue une richesse collective pour la société, considérant que la ville de Mont-Saint-Hilaire, au même titre que le Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu, tient à remercier ses nombreux bénévoles. Donc, je propose que ce conseil proclame la semaine du 16 au 22 avril 2023, semaine de l'action bénévole, sous le thème « Bénévolons à l'unisson ». J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Allons-y cette fois-ci de la participation de membres du conseil à la soirée vin et fromage de la Fondation du Centre d'action bénévole. Monsieur Rainville. Je propose que ce conseil autorise la participation de M. Marc-André Guertin, maire, et de Mme Mélodie Georget, conseillère municipale, à la soirée des vins et fromages qui se tiendra le 11 mai 2023 au profit de la Fondation Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu et autorise le paiement de la dépense au montant de 150 $ par participant, donc 300 $. Que cette dépense soit payable à même le poste budgétaire 02-110-00-315 et qu'il y a des crédits disponibles, tant qu'en fait foi le certificat numéro 2023-06 émis par Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorerie, en date du 30 mars 2023. J'appuie.
Merci bien. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Allons-y cette fois-ci d'une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans le périmètre urbain. Madame Georget? Vous avez sauté... Excusez-moi. J'en ai tellement pas à dire. Oui, c'est vrai, excuse-moi, Marcel. Participation au souper bénéfice au profit de l'Association des traumatisés crâniens cérébraux de la Montérégie. Alors, je propose que ce conseil autorise la participation de M. Daniel-Éric Saint-Onge, directeur général, et Mme Isabelle Thibault, conseillère municipale, au souper bénéfice qui se tiendra le 2 mai 2023 au profit de l'Association des traumatisés crânio-cérébraux de la Montérégie pour l'aménagement d'une maison d'hébergement et autorise le paiement de la dépense au montant de 90 $ par participant. Que cette dépense soit payable à même le poste budgétaire 02-110-00-315 et qu'il y a des crédits disponibles, tels qu'en fait foi la certification numéro 2023-07, émise par Mme Sylvie Lapalme, directrice du service des finances et trésorière, en date du 30 mars 2023. Merci. Qui veut bien appuyer? Merci, M. Rainville. Tous d'accord, membre du Conseil? Oui. Oui. Alors, cette fois-ci, item 19, demande de subvention dans le cadre du programme TAPU. Madame Georget. Oui, donc, la Ville de Mont-Saint-Hilaire a pris connaissance du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains, qu'on appelle TAPU. Donc, la rue Michel, qui est à côté de l'école de l'Aquarelle, a besoin de travaux qui sont admissibles à ce programme, donc pour la mise à niveau de la piste cyclable et de la voie piétonne, pour aménager améliorer les aménagements de mobilité active à côté de l'école de l'Aquarelle. Donc, la Ville présenterait une demande d'aide financière pour les travaux admissibles pour cette piste multifonctionnelle sur la rue Michel, séparée de voies de circulation par une bordure en béton dans le cadre du programme d'aide au développement des transports actifs. Elle confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière serait résiliée. Donc, le directeur du service de l'ingénierie soit autorisé à présenter la dite demande au nom de la Ville et à signer tout acte ou document en lien avec celle-ci. J'appuie. Merci, Mme Thibault. Tous d'accord, membre du Conseil? Oui. Merci bien. Cette fois-ci, un appui au CPE Joujou concernant l'augmentation du nombre de places en service de garde subventionnées. Madame Thibault. Oui, alors c'est intéressant. Une garderie de Belœil qui est ici depuis une cinquantaine d'années, qui va agrandir son emplacement pour passer, d'ajouter en fait, accueillir 80 à 160 enfants additionnels, dont certains avec des besoins particuliers. Ça va être situé près du nouveau stationnement incitatif. Alors, voilà, j'ai résumé les considérants, puis je vais y aller avec la proposition. Donc, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie le CPE Joujou à procéder à une demande auprès du ministère de la Famille du Québec pour l'augmentation du nombre de places en service de garde subventionnées à Belœil. Que copie de la présente résolution soit transmise au CPE Joujou ainsi qu'à la Ville de Belœil. J'appuie. Tous d'accord, membres du Conseil? Oui. Parfait. Allons-y maintenant à l'item 21, appui à la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare relativement à l'assurabilité des bâtiments patrimoniaux adressés en fait au ministère de la Culture et des Communications. Monsieur Meilleur. Oui, peut-être juste pour expliquer rapidement, ceux qui possèdent des bâtiments patrimoniaux savent comment c'est difficile de les assurer. Il y a un coût qui est assez faramineux, puis il y a plusieurs municipalités qui ont commencé à faire des représentations au ministère de la Culture. Donc, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire appuie la municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare dans sa demande au gouvernement du Québec d'intervenir auprès du gouvernement du Canada et des autorités compétentes pour trouver rapidement des solutions afin de garantir à coût raisonnable l'assurabilité de tous les immeubles patrimoniaux, et ce, peu importe l'âge du bâtiment ou d'une composante, du bâtiment à un inventaire, son statut, sa localisation au zonage et ou sa soumission à des règlements visant à en préserver les caractéristiques. Que copie de la présente résolution soit transmise au gouvernement du Québec, au ministère de la Culture et des Communications, au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, au député provincial de Bordeaux, M. Simon-Jolin Barrette, au député fédéral de la circonscription Belœil-Chambly, M. Yves-François Blanchet,
à la Fédération québécoise des municipalités, à l'Union des municipalités du Québec, à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu, à l'Ordre des architectes du Québec, au Bureau d'assurance du Canada, au regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec, ainsi qu'à la municipalité de Saint-Ambroise de Kildare. J'appuie. Merci. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Alors, allons-y, l'item 22, autorisation à la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu pour l'utilisation des données du rôle d'évaluation foncière pour la régie intermunicipale de sécurité incendie de la vallée du Richelieu. Monsieur Meilleur, une fois de plus. Oui. Donc, je propose que la Ville de Mont-Saint-Hilaire autorise, sous réserve des dispositions de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et la protection des renseignements personnels, la municipalité régionale de comté de la vallée du Richelieu à utiliser les renseignements provenant du rôle d'évaluation foncière de la Ville de Mont-Saint-Hilaire afin que la régie intermunicipale de sécurité incendie puisse bénéficier du service de géomatique de la MRCVR. J'appuie. Merci beaucoup. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. 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 Item 23, entente relative au maintien de la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Monsieur Leboeuf. Ça va aller mieux. Alors, je propose que ce conseil maintienne l'adhésion de la Ville de Mont-Saint-Hilaire à la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent et approuve l'entente intitulée « Entente relative au maintien de la régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent », laquelle entente est jointe à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante, que le maire ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer la dite entente, que copie de la présente résolution soit transmise à la secrétaire trésorière de la RIPRSL et à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Qui veut bien appuyer? Ah, c'est... oui, c'est ça. J'appuie. Merci, M. Morin. Tous d'accord, membre du conseil? Parfait. Allons-y maintenant d'un avis de réserve pour fin publique pour un lot situé sur la rue Félix-Leclerc. M. Leboeuf. Alors, je propose que le conseil municipal autorise l'imposition de réserve pour fin de constitution d'une réserve foncière pour fin publique, conformément aux dispositions de la loi sur les cités et villes, entre parenthèses, RLRQ.C avec un grand C-19 et de la loi sur l'expropriation RLRQ.C grand E-24 sur le lot 1,816,209 au cadastre du Québec d'une superficie de 629,1 mètres carrés située sur la rue Félix-Leclerc. Que le conseil municipal mandate le cabinet Burel, avocate, aux fins de représentation et négociation auprès du propriétaire pour préparer, signer et publier l'avis de réserve et de comparaître à toute procédure pouvant en découler. Que le conseil municipal autorise la trésorière à défrayer les honoraires professionnels requis. Que la greffière, le greffier adjoint ou le directeur général soient et sont autorisés à signer tout acte ou document nécessaire donnant effet à la présente. J'appuie. Merci bien. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Allons-y de l'item 25 du procès-verbal de la réunion du 21 mars du Comité consultatif en urbanisme. Madame Thibault. Oui. Alors, je propose que ce conseil accuse réception du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 mars 2023 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Je seconde. Merci. Tous d'accord? Oui. Alors, oui. Merci bien. Allons-y cette fois-ci pour l'adoption des différents dossiers qui ont été soumis au CCU et qui sont assujettis au PIA de la Ville. Monsieur Rainville. Alors, considérant les recommandations du procès-verbal du 21 mars 2000... Excusez-moi. Je n'ai pas nommé de liste encore, là. Ça va venir plus loin. C'est l'item 29. Non. Ça va venir après, lorsqu'on va lire les dérogations. Alors, M. Rainville, je vous prie de continuer. Alors, considérant les recommandations du procès-verbal du 21 mars 2023 du CCU de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, touchant les projets suivants, CCU-2303-2104 à CCU-2303-2110 et...
CCU 2303-2113 à CCU 2303-2115, considérant que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement numéro 1239 concernant les PIA, je propose que ce conseil approuve les plans d'implantation et d'intégration architecturale et les recommandations énumérées ci-dessus, et ce, conditionnellement aux modifications requises ou aux compléments d'informations exigés aux dites recommandations. J'appuie. Merci bien. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. Merci. Allons-y cette fois-ci à l'item 27 pour les PIA. Madame Thibault, je vous laisse le soin de nommer les dossiers. Oui, alors c'est pour les numéros, ce sont des refus. Trois refus, donc, pour les numéros 230, 321, 11, 12 et 18. Donc, il y a deux cas, c'est vraiment un refus, donc des modifications qui sont demandées. Puis le troisième cas, le 18, c'est une petite correction. Alors, petite correction à un refus qui avait été réalisé dans la séance précédente. Alors, je propose que ce conseil approuve les recommandations et refuse les plans d'implantation et d'intégration architecturale énumérés ci-dessus, et ce, selon les motifs formulés aux dites recommandations. J'appuie. Merci bien. Tous d'accord, membres du conseil? Oui. Alors, allons-y cette fois-ci pour l'item 28. Demande d'autorisation de travaux au 1667 Chemin des Patriotes Nord. Monsieur Rainville. Oui, alors, si vous le permettez, je vais vous épargner la longue liste de considérants. Il s'agit d'une demande d'autorisation afin d'effectuer des travaux de construction d'une résidence unifamiliale isolée et d'une remise à jardin pour la résidence projetée au 1667 Chemin des Patriotes Nord, soit le lot 2 349 091 au cadastre du Québec. Je propose que ce conseil approuve la recommandation CCU 2303-2116 du Comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Mont-Saint-Hilaire concernant la demande afin d'autoriser des travaux dans une zone à risque de glissement de terrain de la rivière Richelieu pour la construction d'une habitation unifamiliale isolée selon les considérants énoncés ci-dessus et les conditions numérales à dite recommandation relative à la propriété située au 1667 Chemin des Patriotes et autorise l'émission du permis nécessaire. J'ajouterais qu'évidemment, cette autorisation-là a été faite avec les vérifications nécessaires auprès de professionnels. Que la remise du jardin situé en cour latérale devrait être retirée du projet, étant donné sa non-conformité au règlement de zonage numéro 1235, le tout tel que plus amplement détaillé à la recommandation. Je vais appuyer. Merci. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Oui, alors... Item 29, demande de dérogation mineure relative au 575 rue Belleval. Je vous rappelle sommairement la procédure. En fait, on va avoir l'énoncé de la demande qui va être faite. Ensuite, ça va être suivi d'une période de questions et de commentaires pour répondre à ces questions-là au besoin. Puis ensuite, on procédera à l'adoption. Oui, donc, considérant la recommandation CCU 2303-2103 du procès-verbal du 21 mars 2023 du CCU de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, touchant la demande de dérogation mineure relative au 575 rue Belleval, lot 6 415 246 au cadastre du Québec, considérant que ce projet respecte les critères établis au règlement numéro 1236 intitulé « Règlement sur les dérogations mineures », pour l'obtention d'une telle dérogation. Est-ce que je lis la proposition tout de suite ou après les questions? Il faut l'expliquer pour... Oui. Bon, essentiellement, ce que ça dit, là, c'est que la dérogation mineure prévoyait une marge arrière de 15 mètres. La marge arrière de ce projet-là, c'est le stationnement de l'usine... MSH Pharma. MSH Pharma. Donc, il y a une dérogation mineure pour autoriser une marge de 7,5 mètres ou 7,49 mètres, si je ne me trompe pas. 7,45 mètres. Ah, donc, c'est la marge arrière du troisième bâtiment, ne pas confondre avec la marge latérale qui, elle, oblige, le règlement dit que c'est une marge de 4 mètres, puis la marge est de 7,38 mètres. Et la distance entre les bâtiments, là, entre autres sur la rue qui donne derrière, là, qui est la rue, voyons. Octave Crémazie. Octave Crémazie, c'est ça. Donc, des bâtiments en biais, la ligne de 7,5 mètres derrière le bâtiment, la ligne de fond tombe à peu près sur la limite du terrain... adjacent, et sur les trois autres immeubles, l'immeuble derrière, à côté, si on fait la distance entre les bâtiments existants et le futur bâtiment, bien, ça tombe une distance de 24 mètres pour un et de 30 mètres pour un à peu près. Donc, le CCU et le conseil considèrent qu'il n'y a pas de nuisance apparente pour la construction de cet immeuble-là. Essentiellement, c'est à peu près le résumé. Isabelle, je ne sais pas si... Il y a une deuxième dérogation aussi, c'est la marge avant.
Oui, qui pour passe les conteneurs. Oui, bon, vas-y. La marge avant qui passe de 4 mètres à 0 mètre. Donc, ça laisse de la place, évidemment, parce qu'il y a l'emprise de la ville. Là. Mais donc, la dérogation, la deuxième dérogation, porte là-dessus également, au niveau de la rue Belleval. En fait, considérant qu'il n'y a pas d'accès à l'automobile sur le terrain, il faut que la cueillette des ordures se fasse en avant. Donc, il y a des conteneurs semi-enfouis qui vont être des cloches, en fait, semi-enfouies. C'est des collectes publiques, ce n'est pas des collectes privées, qui vont être sur la partie plus proche du boulevard Laurier, en façade. Oui, je pense oui. que juste un complément d'information que M. Saint-Onge voulait apporter. Juste préciser que deux voisins ont aussi fait connaître leurs observations qui ont été soulignées au conseil municipal, donc par courriel tel que le prévoit l'avis public. Et le conseil a pris en considération les arguments qui ont été transmis par les deux citoyens. Je vous remercie. Alors, à cette étape-ci, je prendrai les questions de l'assistance si vous en avez. Juste une question. Un instant, monsieur, je vais prendre les noms. Monsieur derrière. Non, je suis désolé. En fait, c'est vraiment dans le cadre du règlement, en fait, sur les dérogations mineures. C'est un règlement particulier qui permet ce genre d'intervention-là, spécifiquement pour les dérogations mineures, mais pas pour le règlement sur les plans d'intégration et d'implantation architecturaux ne permettent pas ce genre de procédure-là, mais vous pouvez toujours nous poser votre question à la fin. Pierre Bergeron. Madame. Monique Comtois. Merci. Pierre Bergeron. Rebonsoir, M. Bergeron. Rebonsoir, M. le maire. Je vais m'essayer. Il va finir par être bon. Je ne suis pas sûr. Ben. Moi, je trouve étrange, ça fait la deuxième fois qu'on attend, on a des dérogations pour des poubelles enfouies. On a eu la même chose, les bâtiments en face de la gare. Il y avait tellement plus de place sur le terrain, parce qu'on l'avait bâti à 95%, il y avait 2-3 pouces de gazon tout le tour. Et pour mettre la poubelle enfouie, il n'y avait plus de place. On l'a mis sur le terrain de la garderie. Il y a eu une entente entre les propriétaires. Mais là, on se met, là, on avait 7 mètres en avant, on dit zéro. Ça veut dire dans la rue, quoi? Mais en fait, non, c'est pas dans la rue. Hein? C'est sur le bord de la rue. En fait, le choix était s'imposait de lui-même du fait qu'il n'y a pas de voie, à part pour les véhicules d'urgence. Là. Il n'y a pas de stationnement sur ce projet-là. C'est du stationnement qui est enfoui. Donc, tout le terrain autour des bâtiments, ça va être des terrains qui vont être aménagés. Alors, on ne voulait pas que les collectes d'ordures se fassent par l'arrière. Le promoteur non plus, d'ailleurs. Donc, ce qu'il a proposé, c'est d'avoir des cloches à déchets semi-enfouies, donc c'est moins apparent, hein, évidemment. Mais c'est sûr, c'est pas une nouvelle mode là, que les poubelles, là, pour y mettre sur le terrain de la ville ou le terrain du voisin. Là. Non, en fait, c'est sur son terrain à lui, là, c'est pas sur le terrain de la ville. Là. Mais un autre commentaire général, là, concernant si je, toujours je, là, toujours je, là. Juste une précision, en fait, c'est parce qu'on a privilégié en fait la végétation. Aux voies d'accès, donc c'est pour ça notamment qu'il... Il faut toujours avoir des bonnes raisons pour construire les affaires qui ne devraient pas être là, parce que la preuve en est. Des dérogations, il y en a eu pas mal. C'est une zone commerciale pour le décider, parce qu'on voulait que le gars voulait bâtir des maisons, on a dit correct, bâtir des maisons, première dérogation. Deuxième dérogation, partout c'est du 3 étages, parfait, dérogation, ah ouais, on va te faire, faites du 4 étages. Deuxième, marge arrière, ça prend 15 mètres. On dit, mais c'est pas grave, prends-t'en rien que 7,45. T'étais bon gars, on t'aime. Quatrième point, marge avant. Il y avait 3 mètres, on dit zéro. Quand on a autant d'items en dérogation, ça veut dire que les bâtiments qu'on fait là, ils n'ont pas d'affaires là. Merci beaucoup. Monsieur Bergeron, si vous me permettez, je vais juste vous rappeler que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet d'avoir un règlement de dérogation mineure de façon à considérer. D'accord? Des modulations en fonction des différents projets. C'est un règlement qui est conforme à la loi. Maintenant, des professionnels et un comité consultatif s'est penché sur la question et a jugé que c'était approprié d'octroyer, en vertu de ce règlement municipal-là, ces dérogations mineures-là. Vous pouvez, M. Bergeron, ne pas être d'accord avec ça, mais je fais juste vous dire que votre opinion
est contraire à celle des professionnels de l'urbanisme de la ville de Mont-Saint-Hilaire et d'un comité constitué de citoyens comme vous qui ne partagent pas votre avis. Mais c'est correct, vous avez fait votre affirmation, vous pouvez retourner vous asseoir. Je voulais juste apporter la nuance. Mais quand les comités puis tout le monde vous fait des recommandations, ils vous font des recommandations, c'est à vous de décider. Puis si les recommandations qu'ils vous ont faites ne sont pas tout à fait parfaites, vous avez le droit de refuser les recommandations. Vous n'êtes pas là pour étamper des oui, des fois des non. Merci. Prochaine question. Madame Comtois. Auriez-vous l'obligeance de venir ajuster le micro? Bonsoir, Madame Comtois. Je vais attendre. Vous êtes en service. Merci. Merci. Je suis juste en défaveur de ce que vous voulez adopter sur la rue Belleval. C'est directement en lien avec le fait de mettre des vidanges sur la rue. C'est une voie publique, ça appartient au public, c'est d'intérêt public. Puis moi, je constate que c'est le projet du boulevard sur le site de Bro et Clinique médicale et le Montagnard, il y en a. Ensuite, il y en a sur le quartier de la gare, il y en a sur la rue Radisson, et là, il va en avoir sur la rue Belleval. Donc, je suis 100% contre, totalement contre cette direction que vous prenez. Alors, je n'ai pas besoin de dire plus. Puis ensuite, pour ce qui est de la dérogation, je suis d'accord avec M. Bergeron qui dit que c'est 4 ou 5 dérogations pour une dérogation mineure. C'est un règlement sur les dérogations mineures, mais 5. Et puis, je suis contre le fait aussi que c'est une dérogation de 50% de la distance de recul du bâtiment. Puis ensuite, je suis contre aussi parce que c'est sur l'ensemble des bâtiments qu'il y a un impact. Donc, et j'ai une question, combien de bâtiments, c'est quoi la volumétrie des bâtiments? En fait, la question à l'égard de la dérogation mineure porte à la fois sur les conteneurs à déchets et la marge arrière. Oui. Alors, est-ce que vous avez des commentaires à cet égard-là et est-ce que vous subissez personnellement un préjudice à l'égard de cette dérogation mineure-là, Mme Comtois? Bien, moi, de savoir que la ville de Saint-Hilaire se construit avec des conteneurs sur les bords des rues, oui, c'est un préjudice. Okay. Si je peux me permettre, la marge arrière, c'est un stationnement d'une usine. C'est pas la cour de quelqu'un, c'est la cour de stationnement. Alors, le comité, le conseil, juge que c'est pertinent d'autoriser cette dérogation-là. Oui. Autre chose, quand vous parlez des ordures, les résidents de ce secteur-là ne vont pas lancer leur sac vert sur le bord de la rue. Hein. Il y a des conteneurs, il y a des cloches, c'est aménagé. Il y a un cadre légal aussi pour installer ces cloches-là. Alors, quand vous dites que les gens vont lancer leurs ordures à la rue, ce n'est pas tout à fait exact. Je n'ai pas dit ça. Hein? Je suis désolée, vous me prêtez là des mots que non, je non, n'ai non, pas mais dit. Je... Ce sont vos mots. Oui, c'est mes mots. Je les assume. Deuxièmement, c'est un projet. Hein? Quand on a des projets qui sont différents de ce qui se fait dans le cadre bâti de la même rue, bien, ce projet-là est revenu au CCU 4 ou 5 fois, je ne me trompe pas. On l'a étudié, on l'a regardé. C'est un projet du stationnement souterrain, ce qui est quand même rarissime à Mont-Saint-Hilaire. Donc, ça déjà, pour un projet de cette taille-là, ça, c'était appréciable. Ce qui va permettre un meilleur aménagement paysager autour des immeubles au lieu d'avoir des cases de stationnement. Alors, il y a beaucoup d'avancées dans ce projet-là. On peut parler de ce qui, peut-être, n'est pas l'idéal, mais je pense que ce projet-là, dans son ensemble, représente un beau projet d'implantation, un beau projet de densification qui se fait, somme toute, assez discrètement dans ce secteur-là, puis qui va donner le ton à peut-être d'autres types de projets qui pourraient avoir lieu ailleurs dans la ville. Fait que nous, on est très contents de ce choix-là. Est-ce que c'est un projet parfait? Probablement pas. Mais de là à dire que les gens vont, tu sais, que c'est une tendance, que les ordures vont être en devant de rue, ça s'intègre dans le projet. Si ça avait été des cases de stationnement tout le tour, bien, les ordures étaient en arrière, comme tous les autres bâtiments à logement qu'il y a à Mont-Saint-Hilaire. Oui, mais justement, voilà. Justement, c'est ça le problème, c'est que là, on choisit de densifier, puis il n'y a plus de place pour les poubelles, alors on les met sur la rue. Maintenant, pourquoi j'ai posé la question de la volumétrie? C'est justement pour voir c'est quoi l'impact de la marge de recul sur l'ensemble des bâtiments qui vont être construits. C'est ça qu'on veut regarder, puis c'est ça qu'on va voir. Puis ma question, elle est pertinente, puis j'aimerais savoir une réponse, alors, s'il vous plaît. Donc, à l'égard de la volumétrie, OK, en ce moment, je pense que c'est
accessoire au débat, puisqu'on vous a dit que les marges latérales étaient plus grandes que ce qui était prescrit, puis à l'arrière, ça donne sur une cour de stationnement. Je vous remercie, Mme Comtois, d'avoir partagé vos préoccupations. Monsieur Mastre? Je vais demander l'adoption du règlement. OK. Merci. Est-ce que vous vouliez vous adresser à moi? Non? OK, ce ne sera pas possible. Alors, je vous demanderai, M. Rainville, de lire. Oui, je propose en fait que ce conseil approuve la demande de dérogation mineure présentée pour la propriété portant le numéro d'immeuble situé au 575 rue Belleval à Mont-Saint-Hilaire, soit le lot 6,415,246 au cadastre du Québec. Celle-ci a pour but d'autoriser une marge arrière de 7,45 mètres pour le bâtiment, trois habitations unifamiliales de quatre logements, un projet intégré projeté de trois bâtiments, alors que le règlement de zonage porte numéro 1235. Pour la zone C12, une marge arrière minimale de 15 mètres, permettant ainsi une dérogation de 7,55 mètres et permettant aussi une dérogation à la disposition précisant que l'ensemble des bâtiments composant un projet intégré doivent respecter les marges prévues à la grille de spécification. C'est ce que je répète, au risque de me répéter, la marge arrière donne sur le stationnement de l'usine. Cette demande a également pour but d'autoriser l'implantation des conteneurs semi-enfouis à une distance de 0 mètre de l'emprise de la voie publique en cours avant, alors que le règlement de zonage numéro 1235 prescrit que l'implantation d'espaces communs d'entreposage des matières résiduelles doit respecter les dispositions applicables prévues au règlement qui prescrit une distance minimale de 3 mètres de l'emprise de la voie publique, permettant ainsi une dérogation de 3 mètres. Encore une fois, c'est pour permettre la cueillette des ordures sans avoir à faire un chemin qui irait jusqu'à l'arrière des bâtiments pour les véhicules. Le tout selon les conditions énoncées à la recommandation CCU 2303-2103 du procès-verbal du 21 mars 2023 du CCU de la Ville de Mont-Saint-Hilaire et tel qu'il apparaît au plan projet d'implantation préparé par M. Jean-Sébastien Chaume, arpenteur géomètre, révisé le 21 février 2023, portant le numéro de minute 291, joint à la présente résolution comme annexe A pour en faire partie intégrante. Cette demande a pour but de permettre la construction de projets intégrés de trois bâtiments. Je vais l'appuyer. Merci. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Vous remerciant. Item 30, dépôt du certificat d'attestation du résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter concernant le règlement 1324. Madame Georget, je vais vous laisser le soin de nommer le dit règlement au complet. Parfait. Alors, conformément à l'article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la greffière dépose le certificat attestant le résultat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire quant au règlement numéro 1324 intitulé « Règlement décrétant des travaux de réfection d'aqueduc, d'égouts sanitaires et pluviales, des travaux de voirie et de pavage, des travaux d'aménagement paysager et des travaux divers sur les rues Fréchette et Despommiers » ainsi que le paiement d'honoraires professionnels et autorisant un emprunt de 3 610 000 $ nécessaire à cette fin. Merci. Donc, puisque c'est un dépôt, on va ensuite procéder tout de suite au prochain item 31, qui est un avis de présentation pour le règlement numéro 881. Monsieur Morin, je vous laisse le soin de lire le titre du règlement au complet, s'il vous plaît. Oui, dans le fond, c'est juste une modification aux heures d'ouverture et de fermeture des terrains de tennis, pétanque et planche à roulettes. Donc, je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la ville de Mont-Saint-Hilaire afin de modifier les heures d'ouverture et de fermeture des terrains de tennis, de pétanque et le site de planche à roulettes. Donc, je vais maintenant lire la résolution. Oui, donc je propose que le projet de règlement numéro 881-15, intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 881, pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la ville de Mont-Saint-Hilaire, afin de modifier les heures d'ouverture et de fermeture des terrains de tennis, de pétanque et le site de planche à roulettes » soit et est adopté par ce conseil. Je seconde. Merci bien. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Alors, allons-y de l'avis de présentation annonçant l'adoption d'un règlement modifiant le règlement numéro 1330 régissant l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Pardon, Mme Thibault, allez-y donc pour la lecture de cet avis. Oui, alors, Isabelle,
Je donne un avis de présentation à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter un règlement modifiant le règlement numéro 1330 régissant l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Ça se passe au niveau des fosses septiques. J'appuie. Pas besoin. C'est un avis. Maintenant, si on y va de l'adoption du projet de règlement. Alors, j'y vais donc. Je propose que le projet de règlement numéro 1330-1 intitulé « Règlement modifiant le règlement numéro 1330 régissant l'utilisation et l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet » soit et est adopté par ce conseil. J'appuie. Je prenais de l'avance. Yes. Merci bien, M. Morin. Tous d'accord, membre du conseil? Allons-y maintenant de l'item 35, adoption du règlement numéro 828-51. Monsieur Meilleur, je vous laisse le soin de nommer le règlement au complet. Oui, donc 828-51, règlement amendant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2023 en y remplaçant l'annexe A. Donc, je propose que le règlement numéro 828-51, intitulé « Règlement amendant le règlement numéro 828 sur la tarification des services municipaux pour l'année 2023 en y remplaçant l'annexe A », soit et est adopté par ce conseil. J'appuie. Merci bien. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. Allons-y cette fois-ci pour l'adoption du règlement 1240-3. Monsieur Leboeuf, je vous laisse le soin de lire le titre du dit règlement complet. Excuse-moi, excuse-moi, je t'ai coupé. Allez-y donc. Okay. Alors, je propose que le règlement numéro 1240-3, intitulé « Règlement amendant le règlement sur la démolition d'immeubles numéro 1240 afin d'assurer la concordance à la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, afin d'assujettir les immeubles à caractère locatif et afin de reformuler et préciser certaines procédures applicables à une demande de démolition, soit et est adopté par ce conseil. » J'appuie. Merci bien. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Alors, allons-y, l'item 37, octroi du contrat ING23-M01-A01. Madame Thibault. Oui, alors, c'est concernant une ouverture de soumission et le choix d'un fournisseur pour l'inspection de divers matériaux lorsqu'il y a des chantiers de construction. Donc, je propose que ce conseil approuve conditionnellement aux approbations requises par la loi la soumission de Solmatec Inc., au montant de 64 371 $5 sous, incluant les taxes, relativement au mandat annuel de contrôle qualitatif des matériaux pour divers projets 2023 dans le cadre du contrat ING23-M01-A01, étant la plus basse soumission conforme reçue relativement au dit contrat. Que le mandat du dit contrat est établi d'après les coûts unitaires soumis selon l'estimation des activités à réaliser, mais que seules les quantités réellement effectuées seront rémunérées. Que le dit contrat soit d'une durée d'un an, soit du 16 avril 2023 au 15 avril 2024, selon les termes et conditions du devis. Que le maire ou en absence la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Monsieur Meilleur appuie. Êtes-vous tous d'accord, membre du conseil? Oui. Merci bien. Allons-y d'une servitude de conservation. Je vous laisse le soin, Mme Georget, de nommer le lot au cadastre. Oui, donc, dans le contexte, vous savez que la Ville de Mont-Saint-Hilaire fait de la protection des milieux naturels l'une des priorités. Pour ce faire, l'une des stratégies est la servitude de conservation et de non-construction réelle et à perpétuité octroyée au bénéfice du Centre de conservation de la nature. Donc, nous avons deux servitudes. Donc, je propose que ce conseil autorise la signature d'un acte de servitude réelle et perpétuelle de conservation et de non-construction pour le lot 6 318 919 au cadastre du Québec appartenant à la Ville de Mont-Saint-Hilaire en faveur du Centre de conservation de la nature. Que le maire ou en son absence la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. Ensuite de ça, je vais appuyer. Merci, Mme Thibault. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Merci bien. Allons-y d'une deuxième servitude, cette fois-ci à proximité de la rue Projeté Octave Monet. Mme Georget.
Donc, pour poursuivre, je propose que ce conseil autorise la signature d'un acte de servitude réelle et perpétuelle de conservation et de non-construction pour le lot 3 955 964 au cadastre du Québec appartenant à la ville de Mont-Saint-Hilaire en faveur du Centre de conservation de la nature, que le maire ou en son absence, la mairesse ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence, le greffier adjoint soient et sont autorisés à signer tout acte ou document donnant effet à la présente. J'appuie. Merci, M. Meilleur. Tous d'accord, membre du conseil? Oui. Oui. Allons-y cette fois-ci pour la résolution associée au rapport du groupe, en fait, pour la résolution, l'item 40, rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. M. Morin, veuillez nous expliquer cet item. Oui, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, c'est pas mal l'instance d'experts à l'échelle internationale sur les questions de changement climatique. Puis, ils ont déposé leur dernier rapport de synthèse en mars 2023. Donc, c'est un rapport d'importance. Le dernier datait de 2014. Donc, ça fait la synthèse de tous les rapports précédents. C'est ça. Je vous invite à le lire. Il est en ligne. Il est en anglais. Mais sinon, le réseau Action Climat France a fait un résumé assez exhaustif en français. Donc, je vais lire maintenant le dépôt de résolution. Donc, considérant le dépôt en mars 2023 du sixième rapport d'évaluation du GIEC, considérant que, selon les conclusions de ce rapport, un avenir résilient et vivable est encore à notre portée, mais seulement si nous réduisons fortement, rapidement et durablement les émissions de gaz à effet de serre au cours des prochaines années de l'actuelle décennie, donc qui est critique. Que ce conseil prend acte du rapport de synthèse du groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, rapport daté du 20 mars 2023. Merci bien. Alors, allons-y pour l'item 41, pour la deuxième période de questions, en vous rappelant que c'est une période de questions ouverte. Je vous prie de lever votre main, de vous nommer pour qu'on puisse prendre les noms et puis après ça, bien, on pourra procéder à cette deuxième période de questions. Alors, madame, Martine Renaud, monsieur, Alain Saint-Pierre, monsieur derrière, Jérôme Espire, merci, madame, Carole Blouin, monsieur derrière, Maxime Séguin, monsieur, Pierre Bergeron, madame, Monique Comtois, madame, Louise Boileau, c'est bien ça? Merci. Madame. Josée Leduc. Encore une fois, je m'excuse de demander les noms de tout le monde, même si on vous connaît certains, mais pour les fins d'enregistrement, nous devons demander les noms. Merci. Merci bien. Bonsoir. Je peux bouger le micro, s'il vous plaît. Ça va aller. Merci. Je vais parler changement climatique, quelque chose qui nous intéresse tous. J'ai appris dans la presse, le journal, le 9 mars, que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs, avait annulé certains certificats de remblayage de milieux humides. La ville de Mont-Saint-Hilaire était citée dans l'article. J'aurais voulu savoir de quel certificat il s'agissait.
d'un certificat qui vise un milieu humide dans la zone H60. OK. C'est bien le seul que je pensais qui existait ici. J'aurais voulu savoir, justement, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Je m'excuse, ce n'était pas la zone H60, M. Gartin, c'est la question. Vous parlez de l'article dans le journal? Oui. Non, ce n'est pas la zone H60. Le dossier devant les tribunaux en ce moment. Oui, excusez-moi. L'article mentionne qu'il existe un certificat comme celui, sans date d'expiration, et on a cité le cas de Mont-Saint-Hilaire, mais l'article relate notamment une requête qui est devant les tribunaux, mais c'est une requête, c'est le ministère de l'Environnement qui porte en appel une décision, mais qui portait sur un autre milieu humide. C'est qu'on a cité Mont-Saint-Hilaire en exemple, parce qu'à Mont-Saint-Hilaire, il y a un certificat d'autorisation comme ça qui n'a pas été utilisé. Et donc, le certificat d'autorisation qui n'a pas été utilisé, c'est celui pour le remblayage de la zone H60? Non, du tout. Non, ce n'est pas celui-là. Non. Malheureusement, le dossier, nous, on ne l'a pas, le dossier qui est revu puisqu'il est devant les tribunaux, mais ce n'est pas le dossier H60 du tout. Okay. Et donc, on ne sait pas de quel dossier il s'agit? Pour le ministère de l'Environnement? Oui, exact. De quel certificat de remblayage, en fait? Le ministère de l'Environnement, en fait, a porté devant la Cour d'appel son droit à révoquer tous les certificats, sans égard au cas de Mont-Saint-Hilaire, c'est juste... Oui, c'est ce que j'avais compris de l'article. Alors, votre question? Donc, ma question, c'était de savoir de quel certificat il s'agissait. Et puis, ma sous-question, c'était s'il advenait que le certificat de remblayage pour la zone H60 allait être révoqué, est-ce que la ville pourrait profiter du fait que le ministère révoque ce certificat de remblayage pour justement sauver les arbres et ne pas avoir à se justifier, parce que j'avais compris que vous aviez déjà eu des ententes avec les promoteurs, des échanges de terrain avaient été faits et que ça aurait coûté de l'argent à la ville d'aller en procès, comme pour la zone A16. Donc là, sachant que le certificat est remblayé et annulé, est-ce que la ville pourrait profiter de ça justement pour sauver les arbres et arrêter ce projet? En fait, votre question est hypothétique. Exact. Puis, ça dépendait de ma première question. On va attendre les résultats de l'appel du ministère de l'Environnement avant de se prononcer sur ce dossier-là. OK, merci. Je vous remercie. Maxime Séguin. Bonsoir, Monsieur Séguin. Ça va bien? Oui, vous? Yes. Dans le fond, c'était pour le point 27? Le point 27. Oui. Pour le CCU 2303-2111? Oui. Dans le fond, j'aimerais comprendre plus précisément pourquoi que c'est refusé. Bien, M. Séguin, ouais. Deux options s'offrent à vous. La première, êtes-vous le propriétaire, le demandeur? Bien sûr. D'accord. Donc, la première des choses, c'est si vous voulez qu'on parle sur la place publique de votre dossier privé, oui. C'est totalement à votre discrétion, d'accord? Mais si vous voulez avoir plus d'explications, moi, je vous recommande de communiquer avec le SAT pour avoir, dans le fond, le service de l'aménagement du territoire et de l'environnement, pour que... La professionnelle au dossier puisse vous expliquer la décision, notamment qui a été prise par tous les membres du CCU. Okay. C'est comme ça vous dit. OK. Mais c'est juste parce que c'est quand même un dossier personnel. Puis habituellement, le conseil, nous, on est ici pour discuter des dossiers, des questions de biens communs. Okay. Quand ça en vient à des questions privées comme ça, on doit être respectueux quand même du caractère personnel de la chose. C'est pour ça que je vous demande, on peut en parler ouvertement sur la place publique, mais je considère que ça serait peut-être plus constructif dans le cadre de votre demande de vous entretenir avec la responsable au dossier. OK. Ah, en fait, si tu permets, est-ce que vous avez un retour du SAT? Ils vous ont fait le compte-rendu du CCU et qui vous ont expliqué les raisons. Non. Bon, je pense que ce sera la prochaine étape. En fait, c'est après la décision de ce soir, c'est la prochaine étape qui va se faire. C'est ça. C'est que le professionnel au dossier va communiquer avec vous, va vous faire part de tous les commentaires, va vous faire des suggestions de façon à pouvoir traiter votre dossier avec diligence. En fait, la décision de ce soir, ça ne vous dit pas, vous n'avez pas le droit de faire votre projet jamais dans votre vie. Non, je comprends, mais ça me retarde beaucoup, admettons. Oui.
Dans le fond, là, c'est ça, c'est un refus total. Là, non. Ben, en fait, c'est un refus. C'est qu'on va vous demander de retravailler certains éléments du dossier pour vous conformer au règlement. OK. C'est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Soirée. Prochaine question. Martine Renaud. Bonsoir, Mme Renaud. Bonsoir. Bien, tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir fait les vérifications nécessaires pour vous assurer maintenant que la Ville respecte la loi sur les cités et villes et qu'à chaque mois, la liste à jour des contrats de 25 000 et plus soit déposée. Vous disiez que c'était à jour depuis janvier. Merci beaucoup. Le deuxième point, bien, en fait, mon premier point, c'est suite à l'intervention de M. Espire. J'aimerais savoir, étant donné que vous connaissez la position du ministère de l'Environnement au niveau des certificats de remblayage datant d'avant 2017, si vous cherchez toujours à faire reconnaître celui de la zone H60. On est toujours en processus pour obtenir des avis légaux de façon à prendre des décisions diligentes, mais basées sur l'information actuelle, considérant que le cadre légal est en mouvance là, ici. On est comme dans une zone grise, donc on agit de façon diligente dans ce dossier-là, comme dans tous les dossiers. Alors, on est à demander les avis et à faire des vérifications à cet égard-là pour être certain de prendre une bonne décision. Oui, je ne suis pas certaine de comprendre. Vous demandez des avis, mais on connaît la position du ministère de l'Environnement. Pourquoi pousser davantage quand vous avez la… En fait, c'est parce que le ministère de l'Environnement a été débouté en Cour supérieure. Donc, il faut quand même considérer la jurisprudence. D'accord. On va attendre de voir le résultat. Votre question de relance? Ma question, en fait, c'est ma première. C'est un commentaire sur la question de Jérôme. Ça fait plus d'un an déjà que la Ville a déposé sa demande, sa candidature pour faire un espace bleu du manoir Rouville-Campbell. Ça fait plus d'un an. Avant même d'avoir reçu le don, de vous faire offrir le don, avant même d'être propriétaire, la Ville a fait la demande pour être un espace bleu. Le manoir, ça aurait dû être à la famille Imbeau à ce moment-là. Je voulais savoir, ça fait plus qu'un an, quelles sont les nouvelles à ce niveau-là? Est-ce que l'espace bleu de la Montérégie a été annoncé? Il y a Saint-Hyacinthe qui voulait l'être également. Saint-Jean-sur-Richelieu aussi. Oui. Est-ce que vous avez des nouvelles? Ça devait être annoncé à la fin. Ça fait partie d'un des scénarios qui est à l'étude en ce moment. Et que ferez-vous si jamais ce n'est pas Mont-Saint-Hilaire? C'est la raison de la consultation publique. On en prendra acte, puis on va, dans le fond, évaluer les autres scénarios possibles. Mais est-ce que c'est pas un peu étrange que vous aviez fait la demande avant même de vous faire offrir le manoir en don? C'était une opportunité importante, puis il y avait une question de timing, considérant qu'il y avait d'autres candidatures. Mais il y avait une question de timing, vous n'aviez pas reçu le don, puis le manoir n'était pas en danger. Pourquoi est-ce que c'est pas la famille Imbeau, justement, qui n'a pas posé la candidature? Et non, la Ville, c'était pas à la Ville à sauver le manoir. Pourquoi c'est pas la famille Imbeau qui a pris ça en charge et continue de payer les dépenses? Ça va faire un an au mois de juin qu'on ramasse des dépenses importantes. Vous ne savez pas encore quoi en faire. Pourquoi c'est pas la famille Imbeau qui a les moyens pour l'entretenir, qui avait les moyens, qui les a encore, qui était propriétaire en février? Pourquoi ce n'est pas la famille qui a pris ça en charge de déposer son dossier pour être un espace bleu et éviter aux 19 500 citoyens ici de prendre toutes ces responsabilités-là financières? Le conseil a jugé que c'était approprié de se porter acquéreur du manoir. Madame Renaud, vous ne semblez pas être du même avis. Maintenant, c'est parce que vous avez jugé sans consulter les citoyens et ce sont nos poches qui assument les dépenses. Oui. Oui, la consultation publique, vous l'avez faite plus d'un an plus tard, finalement. Non, on l'a fait 9 mois plus tard. Bien non, parce que c'était déjà décidé avant. Dans l'article de la presse, le VP de finances de la famille Imbeau avait déjà dit que c'était réglé avant même qu'il ferme le manoir. Donc, on parle de plus d'un an que ça se mijote, et probablement plus, parce qu'en campagne électorale, il y a des conseillers qui parlaient déjà que la Ville allait ramasser le manoir. Comment ça se fait que vous faites une consultation publique plus d'un an plus tard après avoir décidé ça, sans même en parler aux citoyens? On a eu une belle augmentation de taxes, il faut en prévoir d'autres, parce que si on n'est pas choisi pour être l'espace bleu, vous allez en faire quoi? Vous parlez d'espace commercial. Mais je vous prie de participer. C'est un don culturel. J'espère, Mme Renaud, que vous participerez aux consultations publiques. Bien certain. J'espère que vous consulterez notre site dédié, puis j'espère que ça sera convaincre. Je vous remercie, Mme Renaud, pour votre commentaire. Vous n'avez pas à nous convaincre, vous voulez nous consulter.
J'espère que vous vous exprimerez lors des consultations publiques à l'égard des coûts comme vous l'avez fait. Je vous remercie. Prochaine question. Alain Saint-Pierre. Bonsoir, M. Saint-Pierre. Bonsoir, M. le maire. Question un peu en lien avec le rapport du GIEC. Le régime de retraite des employés de la ville, est-ce que c'est possible d'avoir un peu de détails sur le fonctionnement du régime? Quel type de régime est en place? Quel est l'apport employeur-employé? Et savoir un peu qui prend les décisions au niveau de la gouvernance pour le fonds, en fait, pour la partie cotisée par l'employeur? Et de quelle façon que les employés sont coachés afin d'avoir un choix de placement qui soit d'investissement responsable de la part employeur et bien sûr que les employés puissent en profiter et s'assurer que des filtres ESG, environnement, société, gouvernance, soient appliqués à ces différents choix de placement-là. Bien, c'est intéressant de souligner en effet que nos investissements parlent beaucoup de nos préoccupations à l'égard de l'environnement. Toutefois, en ce qui a trait au régime de retraite des employés, je vais peut-être laisser le soin à M. Saint-Onge d'utiliser la terminologie correcte, mais je pense que ce sont des REER autogérés par les employés et non l'employeur. Ce ne sont que des cotisations que l'employeur fait à raison pour égaliser ce que l'employé met. Mais je vous laisse le soin de... Bien, rapidement, les conventions collectives et aussi les ententes de travail pour les employés cadres là, se gèrent un peu différemment, mais le principe, c'est qu'à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, il n'y a pas de fonds de pension, la prestation déterminée ou indéterminée telle que beaucoup de villes ont. Il y a simplement un REER cotisé par l'employé et par l'employeur. Donc, ce sont des REER collectifs qui sont gérés par les employés, par leur groupe. Donc, à part quelques petites exceptions, là, mais sinon, c'est le principe de base. Donc, il n'y a pas d'interférence politique qu'il peut avoir. C'est vraiment aux gestionnaires financiers de faire les offres aux employés et que les employés, par leur REER collectif, décident d'adhérer ou non à des fonds et de voir ce qui peut être offert. Mais ce n'est pas une intervention de la Ville dans un fonds de pension qu'on n'a pas ici à la Ville de Mont-Saint-Hilaire. Donc, on espère qu'ils le feront en respectant les principes d'environnement, de société puis de gouvernance, le fameux ESG, pour le faire de façon responsable. Si je peux me permettre, l'employeur peut décider quelle est l'offre de choix de placement des employés dans n'importe quel régime, d'une part. Il peut y avoir, pour la part employeur, un RPDB et non un REER collectif, ce qui, si ce n'est pas le cas, c'est un avantage pour la Ville et pour les employés aussi. Et encore là, l'employeur peut décider de quelle façon il va investir sa part, mais s'il y a une entente avec des conventions collectives, ça sera selon ce que l'employé choisit pour lui-même, mais l'offre de choix de placement peut être orientée par l'employeur. Puis, on pourrait aussi vérifier, il peut y avoir un plan, et les employés, je suis certain, seraient intéressés d'en faire partie, mais il peut y avoir un plan qui parle de décarbonisation du régime dans son ensemble. Pour avoir participé à ce processus-là lorsque je travaillais pour l'université, en fait, dans le cadre de mes fonctions avec l'Université de Sherbrooke, je comprends très bien ce que vous dites, mais je pense qu'ici, les pratiques sont autres. Monsieur Gartin, et plus autogérées. Peut-être juste préciser, là, comme je dis, il y a différents scénarios là, qui peuvent s'appliquer entre les cadres, les politiques de travail et les conventions. Les conventions sont quand même publiques et disponibles, là. Mais en gros, les employés sont avec les FTQ, donc là, c'est quand même eux aussi qui gèrent le fonds de pension des employés syndiqués, alors que les cadres sont totalement individuels et c'est eux qui doivent voir leurs prestations. Mais si je peux me permettre, en terminant, ça peut être dans les discussions, dans vos discussions entre vous, qu'il y a un regard porté sur les régimes actuels, avec un œil d'investissement responsable. J'en prends bonne note. Je vous remercie. Prochaine question. Carole Blouin. Rebonsoir, Mme Blouin. Rebonsoir. Ajustement de micro. Un petit peu, mais je pense je vais y arriver. Oui, c'est beau. Merci. Bon. J'ai pris connaissance du récent bulletin Horizon. Oui. Que je lis toujours avec beaucoup d'attention, et j'ai accroché sur la rubrique concernant la planification stratégique. Oui. La première phrase dit « Au cours de la dernière année, la Ville a entamé un processus de planification stratégique qui sera présenté à l'ensemble de la population au cours des prochaines semaines. » Oui.
J'aimerais connaître le calendrier. Moi aussi. Ah, c'est en processus, Mme Blouin. Divers motifs et tout. C'est un volet qui est en cours, puis on veut le présenter notre planification stratégique d'une façon adaptée, digeste et stimulante. Donc, on est en cours de processus. Ce ne sera pas juste un dépôt d'une brique ou d'un document, ça va se faire de façon dynamique. Donc, j'espère répondre à votre interrogation dans les semaines à venir. Je l'espère vivement. Puis, pour ne pas voler le punch, on va faire le dévoilement là, dans les semaines à venir, comme l'annonce le bulletin. Je n'ai pas de calendrier spécifique à vous présenter ce soir. Donc, on n'a pas manqué l'information? Non. Elle s'en vient, mais elle est retardée. C'est bien ça. OK. Ben, en fait, elle suit son cours, appelons-le comme ça. OK, parce que ça date quand même de quelques semaines là, qu'on a reçu ça. Là. Oui. Je ne peux pas vous dire, là, je cherche la date, là, mais... Deux, trois semaines. Mm-hmm. Oui, sûrement deux, trois semaines. Oui. Ensuite, on dit que dans le cadre de cette planification, une démarche collaborative avec les citoyens et les citoyens, les différents partenaires du milieu, les gens d'affaires et le personnel de la ville, nous a permis de cerner les grandes orientations. Oui. Moi, je n'ai pas vu penser beaucoup, en tout cas, je n'ai pas vu penser d'invitations aux citoyens et citoyennes pour participer à l'élaboration de la planification stratégique. Alors, ça a été une démarche d'accompagnement, puis notre consultante nous a suggéré une approche qu'on a trouvée quand même très stimulante. Il y a quand même eu plus de 18 rencontres avec des employés, avec des citoyens qui étaient déjà engagés de diverses façons avec la ville, soit par l'entremise de comités, soit des commerçants qui avaient exprimé de l'intérêt. Puis, en fait, cette démarche qualitative-là, on est venu la compléter par une enquête. Enquête où il y a eu plus de 900 personnes qui ont répondu à l'enquête, ce qui est venu confirmer ou préciser, en fait, certaines des orientations préliminaires qu'on a prises. Puis là, ben, on est en train de distiller tout ça, puis on va vous présenter le fruit de ces réflexions-là, comme dit le bulletin, là, dans les semaines à venir. Donc, mais ça ne sera pas seulement une présentation, ça sera une consultation. Non, ce sera une présentation, puisque l'étape de consultation est déjà terminée. OK. Parce que je suis citoyenne de la ville, là, puis je peux dire que je n'aurais pas... Et vous avez probablement été invitée à maintes reprises à répondre au sondage, oui, notamment. Oui, le sondage, c'est ça. Mais il n'y a pas eu d'autres types de participation de ma part, de mon environnement rapproché. Et je me dis, la ville de Mont-Saint-Hilaire, qui est propriétaire de la ville de Mont-Saint-Hilaire? 19 000... Ce sont les citoyens, 500 personnes. Et c'est pour ça qu'il y a eu un volet grand public. Et on est fort heureux qu'il y ait plus de 900 personnes qui aient participé à ce processus-là. Oui, mais je pense qu'... On aurait souhaité 19 000, mais disons qu'on en a eu 900. Il y a une démarche d'élaboration, puis je pense que ça mérite aussi une démarche de consultation sur un produit quand même relativement fini. Je pense que ça mérite encore une consultation. Et j'ai comme information aussi qu'on a fait affaire avec la firme ZA, en communication, puis qu'il y a eu un contrat de 67 000, puis un deuxième contrat de 40 000, pour un total de 107 000 $ au niveau des communications. Puis moi, j'ai rien vu passer là, sur le plan des communications concernant la planification stratégique. Il y a des choses qui s'en viennent, Mme Blouin. Puis-je savoir d'où vous avez obtenu ces informations, s'il vous plaît, à l'égard des montants que vous venez de me mentionner? Mon environnement. Ah bon? Je vous remercie. Merci. Pierre Bergeron. Bonsoir. Je vais m'essayer encore. Bon. À la séance du conseil municipal du 6 mars dernier, j'ai posé une question concernant l'article ou l'item 9 à l'ordre du jour, à savoir... Mandat pour un recours judiciaire en vertu de l'article 227 de la Loi sur l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Ma question visait à savoir quel serait le coût de ce mandat et est-ce que l'enjeu de ce recours en valait la chandelle. Pour M. le maire, un principe de droit en vaut toujours la chandelle. Le principe de droit en question... Après une rencontre avec les propriétaires visés par le recours judiciaire,
concerne la réparation... Monsieur Gartin, je m'excuse, vous ne pouvez pas, à voix haute, là, parler d'un dossier qui est devant les tribunaux. Alors, je m'excuse, Monsieur Bergeron, il faudrait peut-être poser la question, mais pas viser le dossier en particulier, s'il vous plaît. Là, vous me déconcertez complètement. Là. Mais c'est la démarche qui a été faite par la Ville qui me travaille. Je vais vous lire ce que j'ai écrit, puis arrêtez-moi à volonté. Là. Les travaux de réparation ont été exécutés. Il faut comprendre que les travaux d'une ampleur, de cette ampleur, piscine, exigent une remise en place de plusieurs éléments de l'aménagement paysager. Pendant la durée de l'ensemble des travaux, un inspecteur de la ville de Mont-Saint-Hilaire venait régulièrement constater la conformité des travaux en cours. Quelques jours après la fin des travaux, on était informé qu'il avait fait des travaux sans permis. Et la démolition des piscines est peut-être en cause. À ce jour, les citoyens ont payé environ 20 000 $ en frais d'avocat. Ce que je me questionne, c'est le conseil municipal a autorisé le mandat pour un recours judiciaire le 6 mars. Mais depuis des mois, les avocats des propriétaires et ceux de la ville discutent. Il me semble que c'est étrange que des dépenses se font, puis après ça, la ville étampe. Je vous remercie, M. Bergeron, mais je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce dossier-là. OK, on n'est pas fini. À mon avis, la ville de Mont-Saint-Hilaire agit de façon déraisonnable. L'inspecteur de la ville aurait dû, lorsqu'il a constaté une ou des irrégularités lors de l'exécution des travaux, intervenir dès le constat de l'infraction. La présence de l'inspecteur sur les lieux des travaux, sans aucune information de sa part, confirmait pour les propriétaires que les travaux exécutés étaient en conformité avec le règlement en vigueur à la ville de Mont-Saint-Hilaire. M. Bergeron, je vais devoir vous interrompre. Vous avez le droit à votre opinion sur ce dossier-là, mais considérant qu'il est judiciaire. Non, mais on ne parle plus de ça, non. Vous allez voir. C'est un manque de discernement dans l'application de la réglementation qui occasionne des frais mais de Mais M. Bergeron, vous remettez en cause le discernement des employés de la ville. Je me dois de défendre l'administration. Vous avez le droit à votre opinion, mais est-ce que vous... Pour la période 2015 à 2020, 8 ans, les frais d'avocat à la ville de Mont-Saint-Hilaire excèdent de 1 300 000 des frais de la ville de Belleuil. Pour cette période, la ville de Mont-Saint-Hilaire a dépensé en moyenne 258 000 par année, comparé à 93 000 pour la ville de Belleuil, soit près de 3 fois plus. Pour la période 2009 à 2014, 6 ans, les dépenses de la ville de Mont-Saint-Hilaire étaient en moyenne inférieures à 29 000 à celles de la ville de Belleuil. Question, qu'est-ce qui occasionne ce revirement? On est passé de moins 29 000 par année par rapport à Belleuil, puis là, on est rendu à 165 000 par année de plus que Belleuil. Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? En fait, M. Bergeron, je pense qu'au contraire, on traite les dossiers avec diligence puis avec rigueur. Puis s'il avec faut... tant d'argent? Oui, avec l'argent qui nous est confié, puis on le fait de façon diligente. Le discernement est toujours là. Oui, je peux vous l'assurer, M. Bergeron. Bien, d'après ce que j'ai vu là, ce n'est pas le cas. Vous avez le droit à votre opinion, M. Bergeron. C'est pas une opinion, c'est un fait. Non, M. Bergeron. Ben, je suis allé voir. Ben, j'ai rencontré les gens. C'est pas du blabla, c'est pas du jouisier. Je suis allé. Je vous remercie, mais M. Bergeron. Je ne m'aventurerai pas plus loin sur le cas qui est cité là. Il est mais ça mérite tribunaux. Réflexion. Toute la gang, vous devriez y penser. On regardera. On va prendre acte de la décision du juge, M. Bergeron. Je vous remercie. Il n'y a pas d'affaire à la justice. Prochaine question, Marie-Pierre. José Leduc. Bonsoir, Madame Leduc. Bonsoir. Moi, je viens vous parler de l'évaluation de nos maisons avec les taxes qu'on a reçues. Oui. On a fait le saut, un grand saut. Nous, des citoyens de notre quartier et surtout de la rue, on a constaté une énorme hausse de nos maisons et particulièrement la nôtre. Et on se considère à peu près comme les autres maisons qu'on a regardées là, autour de nous, les voisins et tout ça. Une de mes collègues a téléphoné à la compagnie d'évaluation et, en tout cas, tout en parlant et tout ça, la personne, elle a dit « Écoutez, moi, ce qu'on fait, et je comprends, depuis 2020, il y a eu des augmentations épouvantables vis-à-vis des maisons et tout ça. Ça, on comprend ça.
Par contre, ce qu'il nous a dit, ce qu'il a dit à ma collègue et ce, par la suite à moi, c'est que si on croyait naturellement que notre maison était trop élevée, on pouvait faire une réévaluation, demander une révision. Oui. Par contre, ce jeune homme nous a dit qu'il y avait un style de buffer entre 10 à 15 % qu'il considérait. Ça voulait dire que si ma maison, je dis des chiffres comme ça, si ma maison vaut 450 000, mais qu'en réalité en vaut 420, bon, il y a 10 à 15 % qu'on ne fait rien, on le laisse à 450 000. Moi, à notre compréhension, c'est que le 450 000, du 420 000, disons, qu'elle vaut vraiment ma maison, à 450 000, le 30 000 qui est là, je paye des taxes pour ce 30 000-là que je ne devrais pas, en réalité, payer. Et c'est un buffer. Si je comprends bien, si ma maison est surévaluée, puis qu'il y en a d'autres qui sont sous-évalués, bien, mon buffer, à moi, qui est surévalué, va aller payer ceux qui sont sous-évalués. Est-ce que c'est vrai? Bien, en fait, c'est que si vous voulez avoir une évaluation très précise, bien, il faut aller jusqu'au bout du processus oui. pour avoir une évaluation plus juste et exacte. Il faut comprendre qu'il y a des milliers d'unités qui sont évaluées et dans le processus, il y en a certains qui sont évalués de façon très précise. On appelle ça presque un pointage. Et on le fait périodiquement sur différents cycles de façon à ce que toutes les maisons soient revues. Maintenant, oui, il peut y avoir certaines variations, mais vous êtes dans votre droit de faire la demande oui. pour faire une révision. Okay. Maintenant, c'est un processus qui est dynamique, puis il y a des variations qui sont importantes. Vous êtes totalement dans votre droit de faire la contestation ça, si vous le souhaitez. Ça. Est-ce qu'on a des pourcentages de réussite? Si, supposons, je décide de refaire une réévaluation de ma maison et qu'on arrive à moins, est-ce qu'il y a c'est quoi le pourcentage de réussite d'un citoyen qui va faire en sorte que, ah oui, OK, on va baisser votre évaluation? Monsieur Gratin. C'est quoi? Oui, un instant, mais plutôt que de parler d'un pourcentage de réussite, bien, je vous dirais, c'est plutôt la qualité de l'information qui est transmise à l'évaluateur pour l'aider à prendre une décision très précise. Donc, notre contestation est pas fondée, ben ça risque d'être difficile. Maintenant, ça dépend vraiment des cas. Je vais laisser le soin à M. Saint-Onge de réagir. Mais... Oui, juste préciser, il n'y a pas de pourcentage de réussite qui existe. Là. Ce n'est pas réussir, pas réussir. Présentement, il y a eu 4 contestations pour le dernier rôle, une fois que les gens ont parlé avec les évaluateurs. Et maintenant, il y a des gens qui, lors d'évaluation, sont soit dans le plus 10 ou le moins 10, peut-être que vous dites, là, mais encore une fois, on n'est pas évaluateur agréé. Là. Je n'ai pas ce discours-là dans la méthodologie. On n'est pas évaluateur. Mais il faut faire attention, lorsqu'il y a des contestations, des fois, le marché, justement, les gens sont réévalués à la hausse. Parce, ouais. parce que l'évaluation est faite selon le marché et la date de fermeture du marché pour nos évaluations, c'est 2021. Alors, vous savez qu'en juin 2021, juin 2022, il y a eu encore une hausse ouais. qui est présentement un peu stable et à quelque peu en train de redescendre. Donc, quand vous faites la contestation, c'est important, ils vont prendre la date du 21 juin, ils vont évaluer le marché, ils vont évaluer, mais une fois que la décision est prise, il faut savoir que l'évaluation peut être plus ou moins selon les informations fournies, les inspections qui sont faites. Donc, s'ils viennent voir si le sous-sol est fini, qu'il ne l'était pas au dossier, si les fenêtres ont été changées, qu'il n'était pas... Tout ça peut changer une évaluation oui, mais, marchande. Oui, donc, mais on a reçu par Internet là, l'évaluation qu'on a remplie et tout ça. Là. Oui, fait non, je ne sais pas le cas précis. Ça a été agrandi, que ça a été ci, ça, a été, ça, ils savent tout ça. Moi, ce que je veux dire, c'est que le pourcentage de réussite, quand tu vas redemander une réévaluation, moi, à mon avis, à moi, il n'y a pas une grosse, comment je dirais bien ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui voit leur maison à la baisse, ils vont rester là. Si je vous parle d'expérience, Mme Leduc, là, dans mes années de service, j'ai vu des années où il y a eu une douzaine de demandes où les 12 ont été acceptées. Et j'ai vu des années où sur les 27 demandées, il y en a eu peut-être 20 acceptées, 7 refusées, ou l'inverse. Donc,
C'est vraiment une question d'évaluation des évaluateurs agréés. Ce n'est pas la ville qui a ce mandat-là. C'est fait par l'association agréée, des gens qui sont évaluateurs fonciers, et c'est eux qui vont pouvoir définir la suite. Donc, il n'y a pas vraiment de statistiques qui peuvent exister de si c'est des réussites ou non. Si vous vous sentez lésé, je ne peux que vous encourager à déposer une demande. Comme je vous dis, cette année, il y a seulement eu 4 demandes qui ont été déposées. Alors, vous êtes totalement dans votre droit de le faire. Mais regardez, on en a parlé justement avec ce monsieur-là, nous aussi, puis il a dit, parce qu'il l'a réévalué approximativement, puis il a dit, ça ne servira à rien, vous ne gagnerez pas. Bien, en fait, c'est parce que le marché est sans équivoque. On parle d'une augmentation moyenne de 40 %. C'est 50 % quasiment. Là. Oui, selon les types de maisons, il y a certaines maisons qui ont légèrement baissé, mais la majeure partie ont augmenté très significativement. Alors, je suppose que vous êtes dans le 50 % des résidences de Mont-Saint-Hilaire qui ont vu leurs taxes augmenter. Je vais juste vous dire qu'en réaction à cette situation-là, le conseil a été rigoureux puis a revu le taux de taxation, ce qui fait que on a à peu près 50 % des Hilaire-Montais qui ont connu une baisse de taxes et 50 % qui ont connu une hausse. Et cette hausse-là est souvent modulée par le fait que leur type de maison a pris énormément de valeur sur le marché. Mais on essaie toujours d'avoir une approche équilibrée en se basant toujours sur l'indice des prix à la consommation de façon à ce que ça soit raisonnable. Mais encore là, on parle de moyenne et votre maison n'est peut-être pas dans cette moyenne-là, mais... Bien, je regarde ici, là, j'en ai une maison là, sur la rue de la Roque. Elle est fichement mieux que la nôtre. Là. Elle est vraiment belle, le terrain est impeccable. Une piscine arrière est évaluée moins chère que chez nous. Elle est plus grosse. Je ne sais pas c'est quoi. C'est pour ça que je vous encourage à remettre une demande d'évaluation. Je ne peux pas vous dire autre chose, parce que là, ça devient qu'on compare des éléments qui sont difficiles à comparer. Je vous remercie, Mme Leduc, d'être venue. J'aurais juste une dernière question. Très rapidement, s'il vous plaît. Est-ce que, quand les conjoints-conjointes décèdent, est-ce que vous avez remis la taxe sur la partie du conjoint qui est décédé? Est-ce que vous avez remis ça ou c'est des oui-dire? On est venu apporter juste une... En fait, c'est comme un frais fixe. C'est plus zéro, mais c'est pas, si je ne m'abuse, c'est pas en fonction Le droit primitif est en exemption lors des décès des conjoints. C'est une exemption, il n'y a pas de frais. Même le droit primitif ne s'applique pas en cas de décès. OK. Bon, parfait. Je vous remercie. Merci. Prochaine question. Louise Boileau. Bonsoir, Mme Boileau. Bonsoir. Moi, ça va être un peu différent de tout ce qui s'est passé jusqu'à date. Je veux simplement vous remercier au nom du Centre d'action bénévole d'avoir proclamé la semaine d'action bénévole. Ça donne de la visibilité à tout le monde et surtout, ça donne de la reconnaissance au travail que font tous les bénévoles à Mont-Saint-Hilaire. Alors, c'est important pour nous, dans le cadre de l'action bénévole, la semaine de l'action bénévole, on fait plusieurs petites interventions comme ça. Et bien, c'est à votre tour de vous dire merci pour avoir fait ce geste-là. Merci. Bien, Mme Boileau, au nom du conseil, je pense qu'on va tous vous remercier puisque vous êtes engagée au Centre d'action bénévole. Vous êtes même membre du conseil d'administration. C'est vraiment apprécié. Je suis bénévole. et bénévole. Puis on est très reconnaissant en fait, de toutes les actions que le CAB fait à Mont-Saint-Hilaire, puis heureux que le siège social aussi du CAB soit à Mont-Saint-Hilaire. Je vous remercie. Parfait. Merci beaucoup. Monique Comtois. Rebonsoir, Mme Comtois. Rebonsoir. J'ai quelques sujets très rapides, des questions, des questions fermées. Une question et une question de relance, s'il vous plaît, conformément à notre règlement de régime, Mme Comtois. Donc, vous avez le droit à une question puis une question de relance. Allez-y. Mais j'ai droit à 4 minutes. Donc, dans la présentation du dossier du manoir, il y a un renseignement sur les... la protection du manoir en 1976, mais il y a aussi l'aire de protection du manoir qui a été créée en 1979.
Et l'aire de protection, ça définit une aire de protection de mètres autour du bâtiment pour le protéger de constructions qui sont pas, tu sais, qui sont inappropriées. Donc, je voudrais juste signaler cette nuance, cette situation-là, mm-hmm. et j'espère que vous allez rétablir cette information-là sur le site afin que je puisse en parler lors de la rencontre là, du 12 avril et avoir des réponses. Pourquoi il y a eu autant de constructions autour du bâtiment du manoir original? Donc, je n'attends pas la réponse maintenant. Mais je peux vous donner des éléments de réponse, c'est-à-dire que l'aire de protection est régie par le ministère de la Culture et le ministère de la Culture a un droit de regard sur cette aire de protection-là et les propriétaires ont demandé au ministère de la Culture, c'est le ministère de la Culture qui a permis les agrandissements et constructions autour du manoir. OK. Je vais ajouter un commentaire. Les maisons Paul-Émile Bordua, Osias-le-Duc, Natal, qui a été familiale, sont fermées 6 mois par année. Alors, comment le conseil peut avoir proposé de créer un espace bleu dans le manoir? Donc, je n'ai pas besoin de réponse. J'aimerais l'avoir le 12 avril. Je vous demande d'adresser votre question aux muséales qui sont responsables des immeubles dont vous nous parlez. Parce que elles sont propriétaires des muséales, en fait, du Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire. Non, je ne pose pas la question au musée. Je pose la question au conseil. Pourquoi elle a adopté un projet de proposition d'espace bleu pour le manoir? Mais je vais garder la question pour le 12 avril. Alors, ensuite, pour le 12 avril aussi, écoutez, vous demandez qu'on participe à une rencontre d'information et vous demandez l'opinion des citoyens à cette même rencontre. Ça va à l'encontre du droit fondamental de prendre le temps de recul puis de réfléchir avant d'agir. D'agir, dans ce cas-là, ce sera de donner son opinion sur le futur du manoir. Je suis 100% contre cette méthode de fonctionnement de consultation. Puis je suis aussi 100% contre la méthode de consultation de sondage qui est appelée un moment public. Ce n'est pas un moment public d'être chez soi en train de remplir des informations très fermées sur le futur de ma municipalité. Alors, je n'ai pas répondu au sondage. Et finalement, la dernière question, c'est qu'est-ce qui va arriver au magasin général du village? Il fait partie des bâtiments qui ont faible valeur patrimoniale et vous avez exclu de la protection des bâtiments qui ont une faible valeur patrimoniale. En fait, Mme Comtois, ça fait partie de l'objet d'un inventaire qui est en cours de réalisation par la MRC de la vallée du Richelieu. On va voir les recommandations qu'ils vont nous faire à cet égard-là. Je vous remercie. OK, je vais m'adresser à la MRC. Merci. Prochaine question. Bonsoir. J'ai plus de notes. Alors, procédons aux questions qui sont en ligne. Oui, bien, je vais éviter certaines questions parce que les personnes sont dans la salle et se sont adressées au micro. D'accord. On va passer aux questions qui sont d'ordre des citoyens qui ne pouvaient pas être présents ce soir. Alors, question de Valérie Aubé. Comment fonctionne l'attribution des mandats lors de recours judiciaires? Estimation, plafonnement des coûts, appel d'offres avec différentes firmes d'avocats. Pourquoi certaines fois il n'y a pas de mandat ou résolution lors de recours judiciaires? Bien, en fait, ça dépend vraiment des situations, puisque notre choix va toujours être orienté vers des firmes d'avocats qui sont spécialisées dans le domaine qui est soit en litige ou qui répond aux besoins de la ville. Souvent, quand ça a rapport avec des litiges, il faut réagir promptement. Donc, tous les mandats sont octroyés conformément à notre politique d'octroi de contrat. Maintenant, des fois, quand c'est pour des questions plus générales, des travaux qu'on peut planifier d'avance, bien là, il y aura un processus d'appel d'offres, que ce soit, par exemple, je ne sais pas moi, pour revoir une politique de rémunération, on a besoin d'un avocat spécialisé en droit du travail ou des choses comme ça. Donc, ce qu'on essaie de faire, surtout, c'est l'alternance, en fait, des firmes et toujours y aller en fonction de la compétence et de la disponibilité des différentes firmes. Je vais m'en tenir à ça pour l'instant parce que je crois qu'on a plusieurs questions. Oui, question de...
Je m'excuse, je ne vois pas le nom. Voilà, de M. François Leroux. Quel est ou quels sont les projets à court, moyen et long terme pour le manoir Rouville? Bien, je vous invite à aller voir le site dédié à cet égard-là. Plusieurs scénarios sont à l'étude. On a parlé de certains de ces scénarios-là ce soir. C'est ça. Je peux déjà vous dire que le manoir ne deviendra pas notre hôtel de ville. Il y a différents scénarios qui sont à l'étude. Puis, je vous encourage à suivre les résultats de la consultation publique, d'y participer si vous êtes déjà inscrit, sinon de consulter notre site dédié à cet égard. Sur le site de la ville de Mont-Saint-Hilaire. Question de M. James Clément. Bonjour, avons-nous des nouvelles de la poursuite des propriétaires de A16 contre la ville? Est-ce que des demandes pour commencer des travaux ou débuter la construction ont été faites auprès de la ville par les propriétaires de A16? Merci. Le litige est toujours devant les tribunaux, donc je vais m'abstenir de discuter de ça. Il y a une demande de lotissement qui a été faite par un propriétaire qui n'est pas impliqué par le litige. Et il y a notamment un avis qui a été adopté ou déposé ce soir pour une amorce de rue. Donc, le projet suit son cours conformément à la réglementation. En fait, les projets suivent leur cours conformément à la réglementation. Question de M. André Prudhomme. Compte tenu que l'exercice financier de 2022 est terminé depuis bientôt 3 mois, pouvez-vous me confirmer le montant réalisé en surplus pour l'année 2022, ainsi que le montant du surplus accumulé avec la ventilation entre les montants affectés et non affectés? Merci. Je vais laisser le soin à M. Meilleur de répondre à votre question, M. Prudhomme. Bien, l'audit comptable est en cours et les résultats vont être dévoilés le mois prochain. Notamment, ce qui tarde, c'est qu'on doit attendre pour terminer nos états financiers vérifiés, d'avoir tous les états financiers des régies avec lesquelles on travaille, ce qui fait que ça occasionne des délais. Et si je ne m'abuse, cette année, même le ministère nous a donné un délai additionnel pour pouvoir y arriver. Prochaine question. Question de Mme Monique Leroux. J'ai un fauteuil roulant électrique. Je peux l'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur. Quels sont les règlements pour circuler sur les trottoirs ou dans la rue, au bord du trottoir quand c'est nécessaire, car la pente de trottoir est trop forte? Madame Leroux, puis-je vous inviter à communiquer avec la ville pour qu'on puisse bien vous aiguiller sur ça? Je dois admettre que je n'ai pas la réponse à votre question. Sinon, peut-être aussi de communiquer avec la régie de police qui pourra vous aiguiller pour l'utiliser de façon sécuritaire. Question de Mme Hélène Richard. Bonjour, j'aimerais vous féliciter pour votre campagne de sensibilisation sur les pollinisateurs et la tonte de gazon. Bravo. Est-ce qu'il est prévu quelque chose pour les pesticides d'esthétisme pour contrôler les mauvaises herbes des gazons des terrains privés? La période de pollinisation se prolongerait de quelques mois avec une réglementation les interdisant. Je vous souhaite une belle journée. Oui, en fait, vous savez qu'on a un règlement qui régit l'utilisation des pesticides pour des fins esthétiques à Mont-Saint-Hilaire. Ce règlement-là, en fait, est appliqué par notre division environnement. Je sais qu'il y a également des éco-conseillers qui sillonnent les rues pour offrir des conseils et de l'information aux différents propriétaires à cet égard-là durant l'été. Et si je ne m'abuse, le CCEDD travaille toujours à bonifier la réglementation en cours et ce règlement-là fait notamment partie là, des règlements qui seront revus probablement dans les semaines et mois à venir. Question de M. Jean-Paul Rouleau. Combien y a-t-il de maisons Airbnb allouées sur notre municipalité et quels sont les critères acceptables par notre municipalité? Bonne question. Je n'ai pas d'éléments de réponse à cet égard-là. Pour l'instant, je vais devoir vous revenir pour de l'information. La dernière fois, j'ai communiqué avec Tourisme Montérégie à l'égard de toutes les questions d'hébergement dans la région. On m'a signalé que les logements locatifs privés comme ça ne posaient pas un enjeu particulier, mais je dois admettre qu'on n'a pas fait de vérification récente à cet égard-là. Si je ne m'abuse, l'offre est relativement modeste, mais je devrais vérifier.
On peut demander aussi, le citoyen pour la réglementation peut s'adresser directement au service d'aménagement. Nous pourrons leur dire quelles sont les règles applicables présentement. Il ne faut pas oublier que le gouvernement a apporté des modifications à la réglementation aussi pour, je dirais, défaire des règlements municipaux pour le permettre alors que des villes l'interdisaient. Et ils doivent revoir des méthodes de travail. Donc, je ne sais pas où on est rendu exactement, mais j'invite le citoyen peut-être à contacter le service d'aménagement là, qui pourra préciser. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que les événements récents nous rappellent qu'il y a besoin d'un encadrement pour ce genre de pratique. Question de M. Carmel Contant. Resurfaçage de la rue Hébert, 46 ans d'existence. La rue Hébert, de la rue Grenoble à la rue Marseille, n'a jamais été resurfacée et ne possède que du patchage qui la rend très désagréable à la conduite. Comme plusieurs autres rues, elle mérite une attention particulière. Quand sera-t-elle dans les priorités? Devrait-il y avoir d'autres travaux aqueduc, égout ou pluvial à faire? Merci pour votre question. Considérant qu'on a 125 km de route et autant de kilomètres d'infrastructures d'aqueduc à Mont-Saint-Hilaire, je ne peux pas vous dire spécifiquement où est-ce qu'on en est rendu par rapport à la rue Hébert. Toutefois, vous pouvez vous adresser au service de l'ingénierie en vous rappelant qu'on a un plan de resurfaçage et comme le stipule votre question, c'est multifactoriel quand on vient pour faire des travaux sur rue. On doit considérer l'état des infrastructures souterraines, égouts, aqueducs. On doit considérer, certes, l'état de la chaussée, mais également, en fait, le financement disponible pour réaliser les travaux. Et c'est ce mélange de tous ces éléments-là qui nous permettent d'établir, à l'aide d'une analyse multicritère, les priorités de pavage. De mémoire, vous êtes dans le quartier La Pommeraie, puis je sais qu'il y a eu énormément de travaux faits par le passé. Vous me voyez désolé que cette rue-là n'est pas à la mesure de vos attentes, mais si vous communiquez avec l'ingénierie, je pense qu'on pourra vous donner une réponse plus précise pour ce tronçon-là spécifiquement. Question de M. Christian Hazard. Concernant la pollution lumineuse, il serait bien avisé de considérer l'utilisation d'abat-jour pour tous les lampadaires dans les rues. Depuis le changement du type de lampe sur les lampadaires, la lumière entre dans les maisons à cause d'un désagrément. Et cause un désagrément. Des abat-jours opaques, bien construits et bien orientés régleraient le problème. Si votre réponse est qu'il est trop tard, eh bien, pensez-y pour la prochaine fois. La qualité de vie est faite de menus détails. En effet, la qualité de vie est faite de menus détails. À cet égard-là, j'espère que vous savez qu'à Mont-Saint-Hilaire, on a changé en fait tous les réverbères pour des réverbères qui sont certifiés mégantiques, donc qui éclairent vers le bas. Et non vers le ciel pour créer de la pollution lumineuse. Maintenant, si l'éclairage vous cause des désagréments, je vous encourage à communiquer avec les travaux publics. Peut-être qu'il y a des ajustements possibles sur le réverbère qui vous incommode. Question de M. Jacques Chiquette. Est-ce qu'on a envisagé de mettre une lumière pour la circulation au coin de la rue de la Gare et chemin des Patriotes? Merci. Actuellement, il n'y a pas de lumière de prévue à cette intersection-là. Vous n'êtes probablement pas sans remarquer que depuis la pandémie, en fait, nos habitudes de déplacement ont beaucoup changé. Puis on est à actualiser notamment toutes les habitudes de déplacement, notamment sur le chemin des Patriotes. Donc, ce sera un dossier à suivre. Je vous prie de suivre les outils de communication de la Ville pour en savoir plus à cet égard-là. Question de Richard Desrosiers. Nous saluons les efforts de la Ville qui s'intéresse à la protection des milieux naturels. Récemment, la Ville a fait l'acquisition d'un terrain situé au bout de la rue des Peupliers. Pour le moment, ce terrain semble servir de parc à chiens. Nous aimerions savoir quelles sont les intentions de la Ville pour la protection future de ce terrain. Merci. Comme tous les terrains acquis, en fait, propriété du bout de la rue des Peupliers va faire l'objet d'une servitude de conservation, va également faire l'objet, va probablement être soumise pour devenir une réserve naturelle qui sera incluse à notre réserve naturelle en Piémont. Et habituellement, dans nos réserves naturelles en Piémont, on interdit les chiens, puisque les chiens ont le droit, en fait, de circuler dans le parc à chiens ou sur les rues, pourvu qu'on respecte les règles puis que le chien soit gardé en laisse. Donc, c'est la même chose qui sera appliquée là. Donc, prochainement, on espère mettre de la signalisation en collaboration avec Connexion Nature et le projet va suivre son cours là, au fil des semaines pour faire l'objet des mêmes mesures de gestion que les autres propriétés acquises.
Est-ce que vous me permettez juste une petite précision, M. Gertin? Oui. Alors, juste quand même très important pour les citoyens à la maison, il ne faut pas oublier qu'il y a un règlement provincial que les villes ont été obligées d'adopter. Alors, dans tous les espaces publics, incluant les parcs, les boisés, les chiens, les rues, les chiens doivent être gardés en laisse. Et selon le poids, la laisse a une longueur qui est déterminée. Et les amendes sont assez salées selon le règlement. Puis c'est applicable par la régie de police et la régie animalière. Donc, c'est peut-être une sensibilisation de penser aux gens de garder. Alors, même quand on dépense, je pense, c'est 40 livres, ça prend un harnais ou un licou. Absolument avec la laisse. Donc, tu sais, c'est toutes des règles importantes. Puis les laisses télescopiques ne sont plus autorisées parce qu'on ne peut pas contrôler la distance. Donc, il y a quelque chose. À l'affiche des parcs, souvent, on les affiche, mais sinon, sur le site Internet, c'est disponible. Ou se renseigner. Même chose pour les médailles de chiens. Je sais qu'il y a des constats qui sont prévus là, déjà au printemps pour les chiens qui n'auront pas leur médaille, qui ne porteront pas leur médaille par la régie animalière. Donc, peut-être c'est le temps aux gens de visiter le site de la régie pour se renseigner davantage. Merci pour les précisions. Prochaine question. Question de Gaétan Chicoine. Dans le cadre du projet participatif 2022, le projet Accès à la rivière comprenait une installation de quais flottants. En quoi concrètement servira-t-il aux citoyens? Des centres de kayak, plateformes de plongeon, s'il vous plaît, des détails pour me convaincre d'un gain pour les citoyens. Pourquoi la réalisation seulement en automne 2023? Les citoyens devront attendre encore pour en profiter alors que tout cela a été entériné en 2022. Madame Chicoine, votre question est intéressante puis elle me permet de faire une intervention générale sur la complexité inhérente de gérer les accès à l'eau. Il faut comprendre que la rivière Richelieu est une voie navigable, donc est régie par des règles et des lois fédérales. Les berges et la protection en fait, de nos cours d'eau est aussi assujettie à des règlements provinciaux. Et nous, on doit aussi respecter notre politique là, sur les rives et le littoral. Donc, toutes ces autorisations-là prennent du temps. Maintenant, l'accès à l'eau, nécessairement, c'est un accès à l'eau pour des usages qui vont être conformes à toutes ces multiples règles-là. Donc, oui, on peut penser une descente pour mettre une embarcation non motorisée comme un kayak, mais des activités de baignade ou autres sont proscrites parce qu'essentiellement, il faut de la surveillance des lifeguards et autres. Maintenant, si vous trouvez que ça prend un peu de temps, je dois également vous éveiller au processus de planification qui ont normalement cours pour des projets d'immobilisation comme ceux-là. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'on adopte tous les ans un plan triennal d'investissement, ce qui fait qu'on doit prévoir des interventions comme ça, souvent sur plusieurs années. Hein? Et donc là, on va agir à l'intérieur d'une année approximativement. Mais comprenez qu'il y a certains projets qui vont s'étendre sur plusieurs années et plus le nombre d'expertises est élevé, plus ça prend du temps de façon à se conformer à toutes les règles. Donc, j'espère que les aménagements qui seront faits seront à la mesure de vos attentes. Puis je vous demande un peu de patience, l'automne va arriver bientôt, mais commençons par apprécier le printemps et l'été. Alors, la prochaine question va être peut-être plus ouverte, M. Gertin, parce qu'on doit respecter le temps du règlement de régie interne, mais c'est une question sur un peu le même sujet aussi que Mme Leduc a apporté ce soir. Alors, une question de Charles Lavoie, Mme Marie-Thérèse Maurice et Christian Hazard. Les questions sont pourquoi mes taxes ont augmenté beaucoup plus que l'inflation? Est-ce que la Ville a fait des efforts significatifs pour réduire les coûts? Existe-t-il une autre méthode d'évaluation qui reposerait sur une façon de peut-être mieux définir les objectifs et garantir que les citoyens paieraient leur part égale? Je résume la question, M. Gertin. Et une question aussi, pourquoi augmenter les taxes si rapidement avec une telle ampleur, alors que les maisons augmentent grandement? Cette augmentation n'a pas d'impact direct sur les dépenses de la Ville, les revenus contribuables. Et est-ce que les dépenses de la Ville sont hors de contrôle et qui justifieraient cette hausse de taxes? Est-ce que vous voulez intervenir, M. Meyer? Bien, ce que je dirais, c'est que, bien, au niveau de l'augmentation de l'inflation, bien, la Ville l'a subi elle aussi. C'est sûr qu'au niveau de la Ville, ce n'est pas l'inflation sur le panier d'épicerie, mais il y a beaucoup d'inflation sur les matériaux, sur l'essence, entre autres. Les équipements et tout ça. Mais à savoir si on a fait un travail rigoureux, la réponse est oui, parce qu'on est reparti d'un budget zéro. Chaque département a dû justifier chacune des dépenses. Et l'autre chose, c'est qu'on a pris aussi tous les avantages qui étaient possibles de prendre au niveau de la taxation. Donc, on a utilisé tous les outils qui étaient à notre disposition. Et je pense que s'il y a un travail à faire, puis on
Bon, Saint-Hilaire n'est pas différent d'autres municipalités qui ont eu des augmentations encore beaucoup plus salées. Je pense à Saint-Lin dans les Laurentides, où est-ce que l'augmentation était au-delà de 20%. Je pense qu'il y a un travail à faire avec le gouvernement provincial pour revoir le régime fiscal des municipalités. Merci, M. Meilleur. Je vais juste ajouter quelques précisions, mais qu'on a déjà évoquées, en rappelant que la municipalité a ajusté le taux de taxe pour s'assurer, en fait, que, pour rendre compte de l'augmentation très variable des immeubles. Donc, en ajustant le taux de taxe, bien, ce qu'on a visé, c'est que 50 % des citoyens ne subissent pas une hausse, puis 50 % ont subi une hausse essentiellement parce que leur propriété a pris plus de valeur que la valeur moyenne des immeubles à Mont-Saint-Hilaire. Et donc, on agit sur le taux de taxation de façon à avoir une approche équitable comme ça en fonction de moyenne. Maintenant, les moyennes ne reflètent pas toutes les réalités personnelles. Puis, mais c'est une décision qu'on a prise pour avoir une approche responsable et équitable. Prochaine question. C'est tout, M. Gertin. Je vous remercie. Avant de demander la levée de l'Assemblée, je veux juste revenir sur un petit poisson d'avril que notre service des communications a offert sur Facebook, qui est en lien avec la semaine de l'action bénévole. En fait, la Ville a fait un appel à tous pour demander si les gens voudraient balayer leur devant de rue et plusieurs citoyens ont répondu volontaire. Donc, ça témoigne du fait qu'à Mont-Saint-Hilaire, les gens sont toujours disposés à se mettre au service collectif. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont répondu à notre petit poisson d'avril. Mais je vous encourage à aller voir le CAB. Je vous encourage également à considérer peut-être les offres de bénévolat que Connexion Nature offre. On a toujours besoin de vous. Mais merci surtout d'avoir participé à notre petite rigolade du début du mois d'avril. Ceci étant dit, puis-je demander la levée de l'Assemblée? Oui, alors je propose que la présente séance ordinaire du 3 avril 2023 du Conseil municipal de la ville de Mont-Saint-Hilaire soit levée à 21h40. J'appuie. Merci. Tous d'accord, membres du Conseil? Merci beaucoup. Bonsoir.